Bonsoir à tous les enfants, comment allez-vous? Nous sommes le lundi 21 septembre 2020, si je ne m'abuse. Comment allez-vous dans cette douce soirée automnale? Aucune idée, est-ce qu'on est en automne? Je ne sais jamais. Bonsoir à tous, bienvenue. Stream du lundi soir, donc stream pépère où je décide de faire ce que je veux, quand je le veux, comme je le veux. C'est ma soirée libre. Et ce soir justement j'ai décidé d'en faire une soirée de Star Wars RP. Alors si vous n'êtes pas Star Wars, si vous connaissez pas bien le RP ou quoi que ce soit, restez quand même, ne paniquez pas, ça va être sympa. On prend la plateforme qui est Garry's Mod, pour ceux qui seraient vraiment complètement neufs à cet univers, qui est un jeu on va dire type sandbox, donc on peut faire un peu ce qu'on veut dessus, et des communautés, des gens voilà, se rassemblent pour créer des serveurs. Et là ce soir on va être sur un serveur qui fait du roleplay Clone Wars, donc qui se passe sur une période bien précise de l'univers de Star Wars, que vous la connaissiez ou pas, que vous ayez vu la série de Clone Wars ou pas, ça change rien. L'intérêt de ce soir, ça va être de s'amuser en incarnant des soldats, en ayant faire piou-piou sur les droïdes de combat, et ça va bien se passer parce qu'on sera avec une communauté qui a l'air sympatoche, que je connais pas du tout, que je vais découvrir ce soir avec vous en direct. On est sur le serveur du coup, le serveur L'Offensive Républicaine, que je ne connais que de par le biais de mon frère qui va être présent d'ici quelques secondes, ainsi que de Paladus qui est, si vous ne connaissez pas, une chaîne YouTube et stream de temps en temps, je vous invite à aller voir son contenu, c'est un bon gamin. En parlant de mon frère, bonjour. Non d'accord, t'es pas obligé d'avoir cette voix, y a pas de problème, on va couper ça. Comment allez-vous monsieur Cody? C'est pas comme si on s'était vu. Eh ben ça va, je vous affiche le jeu tout de suite, ne paniquez pas, les bruits vous savez en France ce sont des bruits de porte, tout va bien se passer. Alors je viens d'arriver sur le serveur, donc je suis cadé, hein, mais ils m'ont passé du coup le grade, je trouve, voilà, j'ai mal, excusez-moi, ils m'ont passé le grade de clone trooper, entre guillemets, de soldat classique, afin d'avoir de l'équipement, afin de ne pas être un pleutre. Et je dis ça, et j'apparais, je suis une espèce de pyjama pourpre dégueulasse. Du coup on va prendre mon rôle tout de suite. Clone Troopers sa affiliation, c'est parti. Alors si vous avez des questions, vu que je sais que la communauté n'est pas forcément habituée à ça, n'hésitez pas à les poser, il n'y a aucun problème. Je vais découvrir aussi, pour la plus grande part, avec vous ce soir aussi. Je vais baisser un peu le son de tout ce sbeul. Voilà, le son de Garry's Mod, voilà, on va le baisser un peu. Et voilà, ça me paraît pas mal. Vous me dites si c'est bien réglé, les enfants. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Je viens d'expliquer Takatsuchi. Il faudrait une question un peu plus précise. Donc là on vient d'arriver sur une nouvelle map, hein, évidemment. Voilà, donc c'est ici qu'il va se passer l'event de ce soir. Faut savoir que le serveur de base se passe sur une base ou un Venator, c'est un gros vaisseau, ce que vous voulez, peu importe, où tout le monde peut se balader de temps en temps, et de manière ponctuelle, vous savez ce qu'on appelle des events, qui sont organisés par le staff du serveur, pour qu'il se passe des choses un peu plus, on va dire, à grosse échelle, avec des missions, etc. Là vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs, avec tous des rôles bien précis. Moi je suis un pleutre qui vient de débarquer. C'est quoi les trucs verts? Les trucs verts, j'en ai aucune idée. On dirait je sais pas, des nénuphars. Qu'est-ce que c'est monsieur Cody, les trucs verts au spawn? Très bien, merci. Ça sert à quoi les trucs verts au spawn? Qu'est-ce que c'est? C'est Takatsuchi qui demande. Paladus, bonsoir. Paladus, bonsoir, comment allez-vous? Oh, c'est vous là? Attendez, Paladus, montrez un peu le charisme au stream, s'il vous plaît. Je suis juste ici. Bonjour, capitaine. Ah, tu l'as pas dit dans le... Ah si, d'accord. Ah, je vous suis capitaine. Oublie pas de mettre ta touche sur Discord, mon cher Paladus. Histoire que... Oui, bah... Ouvre cette porte, très bien. Ah, en général. Caporal. C'était sans affiliation. Je vous suis. Bonsoir Arthus, bienvenue Arthus, c'est mon instructeur si tu dis pas de bêtises. Putain, y'a de la musique, et c'est copyright ça. Merci Arthus pour le follow, bienvenue. Des charmes qui tirent dessus sur la patte. Ah, je vais me faire copyright, c'est sûr. Je vous suis chef. T'inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse ça. Donc là on y va au grappin, là c'est parti. Ah non. Ah, je vous suis capitaine. Ah bien sûr, évidemment. J'ai pas pris de munitions moi. Ah bon? C'était avant? Avant du coup? Ça se passe très mal. Attendez, on est dans le feu de l'action tout de suite là, attendez. J'appelle l'ascenseur, c'est ça le bouton?
peut-être. Pas du tout. Et là, vous savez quoi, on va faire comme le capitaine. On y va au grappin. Capitaine, vous êtes où? Attendez, je descends au grappin, hein. C'est un peu la galère. Paladus, vous êtes où? Attends. Ah, je suis là, capitaine. Je sais pas, je vous ai pris au mot, capitaine. J'arrive. Venez. Oui, capitaine. Je suis nouveau, capitaine. C'est encore plus bas, en fait. C'est encore plus bas, vous êtes aussi perdu que moi, capitaine. Ok, ça va bien se passer. Oh, on a des TP. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai traversé le mur. Ah, je suis meilleur que le capitaine. Bonjour, chef. J'ai perdu. Attendez, si je suis assis sur le serre, j'ai tout vu. C'est un peu fort la musique. Bah oui, c'est un peu fort la musique, on va pas se le cacher. Calmez-vous. Comment est-ce qu'on baisse? Comment est-ce qu'on baisse? Est-ce que quelqu'un sait baisser ça? Ah ouais, on va baisser le volume du jeu. Ah ouais, c'est triste. Ah ouais, je suis super fort. Et je vais me faire strike sur YouTube, moi, ça c'est sûr. J'ai tout vu, c'est un peu fort la musique. Hein, pas là quand je suis pas chez moi, mais sur le long terme, j'y suis souvent. D'accord, pas de soucis. Rex, tu me suis. Qu'est-ce que t'as encore fait, Paladus? Ah, y'a Obi-Wan et tout, putain, incroyable. Je suis complètement perdu. Pardon, chef? C'est bien pris, chef. Oh, bah, apparemment, je le suis. Moi, je suis perdu, là, je vous le dis tout de suite. On va peut-être passer en première personne, attendez. Hop. Voilà, première personne, hop. Ça, les gens comprendront peut-être mieux ce qui se passe. Ah, oh putain, mais on entend plus les gens du coup. Faudra monter un peu quoi. Ok, c'est bien, là c'est comme ça. C'est bien comme ça, vous me dites le chat. C'est mieux. Capitaine, est-ce qu'on a les coordonnées de la base à attaquer? Je sais pas ce qui se passe. J'ai même pas écouté le briefing pour information, hein. Droit devant. Oh putain. Attendez, parce que moi je suis tout nouveau là. Ah, capitaine, ne passez pas devant quand je tire. Ah, il est passé devant aussi. Ça va bien se passer. J'ai très peu de munitions en plus, c'est parfait. Ça dépend pour qui, capitaine. Attendez, ça va bien se passer. Bon, ça va bien se passer, j'y crois à mort. Putain, mais je pensais que ce serait beaucoup plus délicat le début, pas du tout. Putain, je suis super fort. Capitaine, ne me lâchez pas, caporal non plus. Ça va bien se passer. Allez, on avance. On perd pas de temps. On nous a dit plein ouest. Je sais pas ce qui se passe. Et ta façon de parler m'éclate. Tu veux rejoindre quel régiment? Je sais pas encore, je pensais à la 500ème pour jouer avec du coup les deux compères qui sont ici quoi. Je pensais, mais en vrai on verra bien quoi. On verra bien ce que je fais. Ah, mais les entends bof encore, c'est mal foutu ce truc, bon sang. Attendez. Attendez. On va monter le son. Y'a plus de musique. Parlez, capitaine, s'il vous plaît, c'est pour régler mon casque. Capitaine, est-ce que... Oh, ils sont pas la race de ce que je raconte. Calmez-vous. Vous entendez bof encore, donc ça c'est bon. C'est un serveur bêta. Tu veux un HUD pour les armes quand tu vises? Non, ça ira, c'est gentil, t'inquiète pas. Sur le côté immersion. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Parce que moi j'aimerais bien vous rester. Qu'est-ce qui se passe sur le. Sur le live, mais pour l'instant, bah on est. Ah, moi je suis perdu. Capitaine, excusez-moi, capitaine. Je n'ai pas pu assister au briefing, j'aimerais bien avoir une petite explication de ce qui se passe. On attaque une base, j'ai pas assisté au briefing non plus, on reprend une base de séparatistes. C'est formidable, non, capitaine. Attention. Pour tout le monde, on fait attention, d'accord. Oh, Y'a un char. On va monter là-haut pour qu'on va grimper. Monter sur la montagne. Qui, Flo? Ah oui, je suis un intrus. Ah oui, je suis un intrus complètement. On monte sur la montagne? Ah bon? D'accord. On monte sur la montagne alors? D'accord. Oh ouais, ah ça fonctionne. Voilà, on tire dessus. Calmez-vous. Caporal, qu'est-ce que je dois faire? Oh, j'ai une grosse arme, caporal! Pour l'instant, vous restez je la sors d'où? Bien pris, caporal! Capitaine! Chef! Je sais plus qui je parle! Attendez. Oh, ma char! On a un gros char! On redescend, on se met à couvert d'air. C'est bien pris, capitaine! Un grappin! Ok, ça se passe! J'y crois à mort! DC-15A, ça c'est bon ça!
Lieutenant, si je me souviens bien, vous avez une formation médecin ? Je sais pas ce qui se passe, calmez-vous. Pensez qu'il y a le régiment. J'avais dit 501ème, ça lag de ouf. Alors ça vient de chez toi pour le coup. Vox Mice Gain 25 pour mieux les entendre. Alors attends. La touche. Voice. Max Gain 25. Ok, ça va être mieux. Vous me dites le chat. La progression, on attend que le temps que ça soit détruit. Ok, bah attendez, on va baisser le son du jeu du coup. Attention, il y a des BX droit devant. Calmez-vous. Des BX droit devant. Oui, des BX droit devant, oui. Si vous le dites, oui, je suis streamer, écartez-vous. Où est-ce que c'est le contenu, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi. Oh là là, oh là là. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, quelqu'un pour... On va reculer, hein. Ah, très bien, capitaine. Il me dit qu'on avait reculé, bah on recule, hein. Bien, bonsoir, bonsoir, et vous bienvenue. Si, si, c'était... servez-vous. Je me sers, très bien, chef. D'accord, oui, très bien. C'est distributeur d'armes, de munitions, apparemment. C'est clairement ce que je vois. Bah écoute, je suis perdu, je viens d'arriver. Et s'il y a déjà un event, apparemment on attaque une base. Je sais pas ce qui se passe. Ne me demandez pas d'explications, je ne sais pas non plus. On a des petits signes à prendre. Le lieutenant est tombé au combat, capitaine. C'est pas bon signe quoi. Je vais tomber au combat bien. Affirmatif, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va attendre l'arrivée des médecins parce qu'on a perdu un médecin pour en regagner un autre. Ah, c'est un peu con si vous voulez mon avis, capitaine. Ils sont groupés, éventuellement, ils sont groupés, mon général. Marqué au sol et il y a encore un but. Faites attention. D'accord, bon, on va faire attention, hein. Des munitions sont là, il a débarqué des munitions. Là. On a juste ce qu'il nous faut. Faut que le véhicule s'occupe du tank là. Capitaine, est-ce qu'on aurait pas, je sais pas moi, du lance-roquette, de l'explosif, quelque chose? Oui, bougez. Vous avez? Attendez, moi je sais pas où je suis là, calmez-vous, je suis perdu! Qu'est-ce que je fais, le chat? Oh, le son! Oh, calmez-vous! Attendez, est-ce que ça a baissé le son des explosions? Je ne sais pas. C'est un peu galère, pire début, bah un petit peu! Un petit peu, on va pas se le cacher. Mais bon, je suis le cadet, je suis encore en vie, moi je dis ça. Vous voyez quelque chose? Parce que je vois des blasters. D'accord, caporal. Je touche. Pas grand chose, mais je touche. C'est bien, ça se passe. Dans le bain direct, ah mais complètement. Moi, au moins on m'a dit, voilà la radio elle fonctionne comme ça, bonne chance. Vraiment, moi je suis le touriste, à la base je devrais pas être là. Ah, bien pris, caporal, si vous le dites. Attention, il y a des mortiers. Ah, des mortiers, d'accord. Ah, je suis allongé. Ah, au secours, je m'allonge sans le faire exprès. Je m'allonge sans le faire. Ah, allô? Ah, je me fais. Ah, d'accord. On nous tire dessus, mon général. C'est gênant. Occupez-vous du côté gauche, occupez-vous du côté. Oh putain! Attendez, hop! Voilà! Ça passe! Attends, j'ai pris un coup là! Ah non, je suis à 99, c'est bon! Tu étais meilleur commandant que c'était, c'est gentil! Enfin, je crois, j'en sais rien en fait. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi parle Picus, j'étais commandant républicain sur un serveur. The Old Republic, pour ceux qui ça parle. Ah bon? Bah, caporal! Je me suis pas engagé pour. Bah, je me suis pas engagé d'ailleurs, mais. Ouais, caporal, je vous suis, caporal! Oh, caporal, il est pas commode. D'abord, laissez avancer le ATTE. Bien pris, caporal! L'ATTE, c'est le char, pour ceux qui connaissent vraiment pas Star Wars. Comment je vole, moi aussi? Caporal! D'accord, bon. Quoi? J'aimerais voler, moi aussi, caporal. Allez. Ouais, alors, j'y travaille. Alors, c'est-à-dire que. Ah, c'est gênant. Je suis. Caporal, je crois que je suis bloqué. C'est vraiment un boulet, c'était hein. C'est à dire que moi je suis pas encore mort, caporal. Caporal, Vous êtes prêt? Au secours! Appelez un soutien de force, voilà. Un soutien de force, excusez-moi, vous êtes un soutien de force? Oh, c'est super, j'adore voilà. Ce que vous faites, merci beaucoup! Oh, ça se passe super! J'ai plus de force que n'importe quel clone. Ah bah, je vois ça! C'est super, continuez ce que vous faites! Comment on monte? Aucune idée, c'est bien pour ça que je me suis retrouvé bloqué. Il ressemble à Alpha, un peu. Ça passe? Ah! Vous êtes plus fin que moi, peut-être. Ah, j'ai un peu trop mangé ce midi, je crois. Attendez.
Ah, ça passe. Attention, attention, vous faites tirer dessus. Ça passe, ça passe. Ok, je me lève. Ça passe, ça passe. Où est-ce qu'ils sont, les salopios? Excusez le chat hein, et le live, hein, mais si vraiment on est dans le bain dès le début. Hein. Attendez, attendez, attendez. Que se passe-t-il? J'avance, j'avance. Derrière les arbres. Allez, derrière les arbres. Bien pris, caporal. Caporal, caporal, allez, comment allez, déjà allez, allez, allez. Oui, caporal, j'arrive. Ah, caporal bidule. Caporal bidule, c'est pas du tout gênant comme nom ça. J'arrive. Ça se passe bien, ça se passe bien. Va falloir vous adapter au rythme, c'était. Bah, vous dites ça, mais je suis pas tombé au combat et je me suis pas encore fait toucher, capitaine, hein. Allez, 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 allez. Oui, caporal. C'est pas normal que vous avez pas reçu de balle. Comment ça, c'est pas normal? Je suis plus compétent allez, que vous, c'est mon problème. Pardon? Petit capitaine? Tadadette! Oh! Attention! Reculez, faites attention. Ah bah voilà, j'ai pris un coup de blaster, c'est bon, je suis baptisé. Mon général, ce c'est possible. J'ai une des cartes, c'est une arme de reporter, c'est joué avec ça. Bien pris, capitaine. Capitaine, le char sur le toit, par hasard, il est désactivé. Ça là. Non, mon général, le char est désactivé, rassurez-moi. Négatif, négatif. Ah, nickel. Ah, bah voilà, on allait avancer devant ça, hein, un gros canon comme ça, là, sans rien dire. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, je suis en train de m'allonger, alors je veux pas m'allonger. Au secours. Ça va bien se passer. Oh, y'a méchant. Meurs. Mourez. Alors c'est une chose qu'il faut lâcher dans la radio, c'est... Pardon? À côté de vous, capitaine? Non, je suis sacrifié pour le capitaine. Terrible. Alors comment ça se passe? Alors apparemment il y a un médecin qui peut venir. Pampan Flo, Pampan Coca. Oh, je... oh, on va s'occuper de moi. Capitaine, me laissez pas. Ça se passe bien. En vrai de vrai, je suis incroyable. Je me suis décalé pour protéger le capitaine. Le druide a tiré dessus. Oh là là, putain, il appelle un médecin, c'est incroyable. Oh, regardez le charisme qu'il a. Oh, oh, regardez-le. Piu piu, pampan, allez-y. Ah, ah, il me marche dessus au passage. Mais décalé avec son pied. Ah, il continue, hein. Capitaine, je suis pas encore mort. Enfin, plus ou moins, mais. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir, je crois en lui. C'est le capitaine Rex, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, voilà, incroyable. Piu piu Paladus, là oui, Paladus, incroyable. Vous pouvez pas me faire un bisou magique, capitaine, je sais pas. Ah, non mais alors là, par contre, vous jouez avec mon cadavre. Non mais c'est-à-dire que, un peu de respect quand même. Doucement. Alors là, par contre, je... Ah, ça c'était mes couilles, hein. Ouais, alors, attendez. Nickel. Nickel, enfin presque. Ah, voilà. Alors du coup, le médecin, il est où? Parce que là, vraiment, vous me maltraitez, capitaine, hein. Là c'est... D'accord, bon, bah continue comme ça alors apparemment. Il te prend pour un sac, bah pire que ça. Et bah voilà, ah, il a pris des balles celui-là. Je suis baptisé. Il pourra pas dire que tu fous rien, ah bah non. Alors vas-y, le 212ème là. Oh, vous êtes super dans ce que vous faites, merci beaucoup hein. Est-ce que vous allez bien Écoutez, un peu sonné, mais j'ai sauvé le capitaine en me sacrifiant, donc je suis fier de moi. Derrière vous, médic hein. Faut faire tourner au combat. Attention à vous, il y avait oui, un... Y'a un droïde là-haut, là où je tire. Attendez. Si, je l'ai vu brièvement. Attention à vous. Ça vient se passer. C'est rien du tout, allez, on y va. Bah, c'est rien du tout, c'est-à-dire quand même que. Bon, d'accord. C'est rien, c'est la vie. Bah, c'est la mort surtout. Les arbres sont un peu larges. Ah, caporal, vous êtes devant moi. C'est quoi ça? Reste allongé là, allez. Caporal, vous êtes devant moi. Si vous avez rien, il se prélasse par terre, bah oui. Je suis une feignasse en fait. Ça va bien se passer. Elle a pas de cadence hein. Comment ça, on a perdu le char, caporal? On a perdu la TTE, affirmatif. Oh nickel. Et est-ce qu'on pourrait le retrouver? Je sais pas, demandez au Jedi, je m'y connais pas en magie. Fou, il rampe cette funiasse. La vieille époque, c'est à dire que je viens d'arriver moi. Ah,
Alors je me calme, mais Billy vient de tomber, hein. Mais ça, s'il vous plaît, j'aurais besoin de soin. S'il vous plaît. Mais tu as crevé, oui. Saloperie, hein. Cognette devant une barrière, quoi. Mais c'est tellement la voix d'Alpha, il y a un peu de ça, ouais. On signe à terre. Attention, je me décale allongé, ne faites jamais ça dans la vraie vie. Faites jamais ça. Bon, ça va bien se passer, j'y crois à mort. Oh! Meurs! Saloperie! Voilà! Ça va bien se passer. C'est une technique aussi. C'est sympa votre réunion? D'accord, bon bah écoutez les enfants, moi je retourne travailler. Voilà, voilà! Voilà, malheureux, mais. Mais ce sont des malandrins? Mais attendez, mais c'est moi qui fais le plus de taf? Ah ouais, apparemment. Très bien, bon bah on continue alors. Voilà! Et un de moins! Est-ce que l'autre il est debout? Ah, c'est gentil, caporal, je. Ouais! C'est, j'ai eu un compliment! C'est quand même compliqué! Ah, parce qu'on a des blessés, bah faudrait me le dire! Ah, ils sont plus blessés, ils avancent là, caporal! Eh bah, faut écouter, hein! Ah, bah, c'est à dire que je suis occupé à me faire tirer dessus! Il est marrant, lui! Ça passe? On va crever? Je passe sur le DC-15S. Non, plus trop de portée. Comment ils font pour se pencher? Moi, j'arrive pas à me pencher. Dans le chat, si vous savez comment on se penche, dites-le moi. Derrière, derrière. Ah. Oh mon dieu. Oh là là. Prenez pas. Oh merde. Oh là là. Oh, ils sont. Non, mais ils ont débarqué d'un coup. Oh les salauds. Oh non, Jedi. Oh. Oh. Récupérez-le, monsieur. Ah bah oui, récupérez-moi. Oui, je suis streamer, enfin. Yamanaki n'y sert un peu à rien pour faire le taf d'un érudit. Ah merci, ah voilà, ah je suis dans le char. Ah c'est gênant. Ouais alors voilà, merci, si vous pouvez un peu me respecter quand même. C'est une hécatombe là dehors. Bah c'est une hécatombe, ils ont spawn derrière nous donc forcément en même temps voilà. Quel bordel de merde. Bah oui bah t'as qu'à le capitaine ou le major. Bah non on est mort en tout cas donc Affirmatif, je vous couvre le mieux que je. Autour du sac MDR, bah, c'est bon, ça arrive beaucoup sourd. Blessé en bas. Récupérez-moi ces corps. Ah mais ils sont juste là aussi. Oh là là. Oh là là. Attends, on a besoin d'une de couverture pour tous les blessés, on en a beaucoup. Oh là là. Oh c'est bon. Oh, votre flanc, major. Oh c'est super. Oh là là, je vais te soigner. Le capot est tombé avec toi, bah oui. Putain, on a été laissé derrière, terrible. Terrible. Ça va bien se passer, je crois. Attention, est-ce que j'ai être revive? Limitez leur approche. Je vois ça, ouais. Limitez leur approche. Y'en a dans la base, y'en a dedans, il est rentré. Il fait là lui. Oh là 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 là. Il traversait le sol, non? D'accord. On va courir, c'est parti. Soignez les blessés, soignez les blessés. Soignez les blessés, soignez les blessés. Ah, ouais, s'il vous plaît. Mission, c'est un bonheur. Allez, c'est parti. Oui, si vous pouvez me réveiller, s'il vous plaît. Ah. Ah, je vous remercie, vous êtes bien brave. Est-ce que vous allez bien? Écoutez, un petit bisou serait pas de refus. Si quelqu'un a besoin de plus de alors, ça va être possible. Ah, je vous remercie. Bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, j'y crois à mort. Alors là, faut pas tirer parce qu'ils sont tous devant. On va s'en prendre une. Je vais vous laisser, désolé, bonne nuit, bon jeu. Enfin mission, enfin mort maintenant MDR. Pas de problème, bisous Tekatsushi. J'ai besoin de soin ici. Non c'est bon. J'ai entendu que quelqu'un avait besoin de soin. Comment qu'on fait? Est-ce que je tente un rush dehors? Il est où le capitaine? Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Y'a pas de capitaine en fait, c'est pas de capitaine du tout. Ok, je cours. Ah. Ok. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Grappin, peut-être. Si vous avez des grenades, balancez-les. Je les trouve dans quelle poche? Cherchez. J'en ai une, chef. Je suis pas votre instructeur. Ah, alors caporal, je suis occupé à traverser le sol. Ah, très bien. Eh bah, par là-bas alors. Hop, c'est parti. Oh là. C'est un gros vaisseau, ça quand même. Ah bah je suis... Vous devriez rentrer à l'intérieur, ça commence à devenir dangereux. Je joue sur ce serveur. Je vois quand je suis pas là, c'est la merde. Ah bah apparemment oui. Ah mais attends, mais oui, il y en a beaucoup là. Général, il y en a quand même vachement beaucoup. Oh putain, le bordel. Oh le bordel que c'est. Ouais, je traverse. Oh là là.
Donc c'est là qu'étaient les autres en fait. Ça va bien se passer. J'y crois à mort. Bordel. Ça va bien se passer. Vas-y, je fais le tour avec lui. J'arrive, lieutenant. Oh, c'est chaud. Ok, ça passe. Oh, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, il pré-shot. Non, non, ça ira. Ah, je suis encore en train de m'allonger, c'est terrible. Je fais que ça. Arthus time out. Bah oui, bah c'est ça le plus être sur mon live, hein, Arthus. Attention. Ok, il est tombé. Oula, mais il est très héroïque quand même, ce lieutenant. On a réussi? Médic? Et pas où il y en a? Ah, mince! 212, ils ont des soins, ou le major. Allez, 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 c'était, on y va! Ah, merci, nickel! Bon, bah, c'est quoi le plan maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, j'ai besoin de soins, s'il vous plaît! Alors, besoin de soins, hein. Ah, bah oui, bah d'accord, tout le monde est cassé. Bon, bah. Une généralité a besoin de soins, hein, sinon je lance une bacta assez vite. Je vais manquer une mission très bientôt, Major. Au centre de la base? Vous pensez que je suis quoi? D'accord, on s'assemble au centre de la base, c'est marqué dans le chat, hein, pour ceux qui se demanderaient. C'était cool, n'empêche. On va tout faire, bah 500, Major, vous savez tout faire. Capitaine? Massif, c'est moi. Il y a marqué rassemblement au milieu de la base. Et qu'ils ont tous été éliminés. Jeu, hein. Il y a marqué d'ailleurs, non, c'est à la radio. Putain, c'est pas marqué, c'est on l'a entendu. Putain, c'est du RP, merde, Flo. Oh, quel noobie, quoi. Que j'ai compris, c'est moi qui joue. Oh, c'est juste ici, quoi, oui, d'accord. Capitaine Rex, toutes vos unités sont là ou pas? 10-4, capitaine, c'est 10-4, allez-y, je m'occupe du reste, capitaine. On va respecter à la troisième personne, ça va être sympa. Paf. Merci, capitaine. Voilà. Bonjour, bon. Messieurs. Et bonjour, vous dites bonjour maintenant? C'est PRP, bah non. Bah non pas. Bonsoir Java, bienvenue. Bon, Major. Je m'appelle pas si. Comment bon, Major? Alors, c'est quoi les bails? Les deux unités qui viennent d'être citées, faites ce que le Major a dit. Ah, merci, bisous. Et du coup, ce qu'il a dit le Major? C'est quoi les bails? Tu mérites un ban, mais non. Major. Étant donné qu'on va être bloqué ici pendant pas mal de temps, je pense que vous pourriez retourner avec le CCT sur base pour lui faire une petite formation. C'est-à-dire que j'ai reçu la mienne, chef, sans vouloir vous être... oui. Vous avez reçu votre formation, cadet. Est-ce qu'il a fait du bon taf, messieurs? En qualité d'instructeur, j'ai pu lui valider sa formation. Ça m'a tué. 36-52. Oh, ça fait plaisir. Bon, on va pas faire les formations de base de CT. Félicitations. Oh, bah dis donc. Préparation au projet de l'offensif. Ah, bah je vous remercie, chef. Ça me touche. Oh, bah dis donc. Tant qu'à vous, généraux, j'aimerais vous voir. Oh, bah dis donc. S'il vous plaît. Ah, oui, donc il leur parle comme ça. D'accord, très bien. Bah excusez-nous. Putain, et c'est bon, et je suis promu. Alors, du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Rien du tout, faut que je change mon pseudo. Du coup, est-ce que je dois changer mon matricule, chef? Affirmez, c'est ce que vous devez faire en fait, là tout de suite. Là tout de suite, très bien. J'y travaille, absolument, tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. Name, ouais, c'est comment? C'est Slash Name, sûrement? Alors, du coup, je suis CT pour Clone Trooper. Attendez. Sur Discord, les enfants, c'est quoi la commande? Là, l'équipement. Damien, Paladus, c'est quoi la commande? Il va falloir des munitions ici. Ouais. Slash name? Je crois que c'est slash name. Alors c'est CT. Attendez, test. Oui, moi c'est CT. Ok, d'accord. Slash name, CT. 1304. Et il me faut un nom? Alors, pour l'instant, j'en ai pas du coup. Test. Ok, c'est bon. Voilà, ça a changé. Nickel. En fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'était clone cadet trooper. Et du coup, je suis juste clone trooper. T'es pas fort. On ferait un rapport fréquent. Le CT, enfin, du coup, le CT et Sim, vous allez vous mettre sur le toit, là, juste au-dessus de moi. Vous allez garder les. Toi, toi, nounou, chef? Alors le toit, très bien, c'est parti. Ah non, ça marche pas du tout. On va passer en première personne parce que je sens que je vais galérer déjà et que voilà, c'est pas ça.
Allez hop. Messieurs, je vous annonce. Lieutenant, je suis un excellent jigger. Ah, je vous annonce quoi? Viens là. Attendez. Commencez pas à faire des bails. Moi j'ai déjà du mal à monter sur le toit. Capitaine, écoutez ce que le lieutenant. Ça va bien se passer. Alors justement. Non, alors. C'est gênant. Major, en parlant de délégué, est-ce que tout le monde m'entend sur base? Je prends les halls par l'air de la base, mais est-ce que tout le monde m'entend? Affirmatif. Bien, à toutes les unités, le major va aller nous chercher nos rations de survie pour qu'on puisse déguster ça après ce combat émoustifiant et très. Ah, ce mot n'existe pas, chef. Le major va se faire un plaisir d'aller chercher et d'apporter les caisses à pied. On le remercie tous amicalement, s'il vous plaît. Il faut te rendre Kember. Merci, chef. Capitaine Rex, j'ai besoin de vous, vous pouvez rester s'il vous plaît. Mais où le caporal qui devait surveiller le toit avec moi? Caporal Bitule. Capitaine, j'ai dit. Donc là je surveille le toit là, ça y est, c'est... je suis sur le toit et je surveille. Bon bah je surveille alors, c'est parti hein. Non, je pense pas qu'ils vont main-rank quand même, ils viennent de main-rank, ça ferait chier. Ils vont te lâcher un exercice de grappin, tu vas bégayer. Ah mais complètement. Le live va se transformer en torture. Il est où le caporal? Ah mais là ils partent là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font? Putain ça part en reconnaissance et tout. Donc là je suis juste un vigile quoi, c'est... Très bien, bah c'est parti. Tu dois tirer sur les oiseaux. Il y a des oiseaux? Il n'y a pas d'oiseaux. Ah, il est où le caporal? Je t'entendais pas. Bah il est nulle part le caporal. Ah, le général? Enfin un des généraux, c'est lequel? Un des généraux plutôt, si je savais parler français. Bon bah voilà, bah on va garder le toit alors. À droite, qu'est-ce qu'il y a? Eh bah là il y a. Bah là il y a rien. Bon bah alors à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Bon bah alors là il y a. Y a rien. Bon bah alors devant, peut-être. Bon bah alors devant il y a. Ah. Ah, il y a Billy qui essaie de monter. Si vous galérez, il y a de l'autre côté, il y a un escalier. Hein. J'ai fait comme vous, j'ai. Voilà, ça m'a saoulé de l'autre côté. Allô. Ouais, non, parce que le pauvre, quand même, ça va être embarrassant pour lui aussi. Bon, derrière, il y a des méchants, il n'y a pas de méchants. Non, bah non, bah voilà. Ah. Merci bien. Oh, bah je vous en prie, non, mais j'ai galéré, je voulais pas vous laisser dans l'embarras comme ça. Je compatissais. Vous avez été promis en mission, bien joué à vous. Bah, je vous remercie, ça me touche. Ça fait plaisir. C'est quoi votre petit nom à vous? Mon surnom c'est Cray. Cray, ravi de vous rencontrer, mais c'est quoi ces bruits? On est ennuyé, je dirais. Je regarde pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ces tirs? Pas les miens en tout cas, chef. Ça y est, il y a du grabuge. Il y a de l'action. Oh là, j'ai fait me casser les gueules. Qu'est-ce qu'il regarde? Vous regardez quoi, capitaine? Il y a quelque chose en haut de cette tour. Il y a quelque chose en haut de cette tour. J'ai vu. Ah putain, ouais! Oh putain, le tison! Je veux aller voir. Comment ça, tu veux aller voir? Ne vous inquiétez pas, je vais aller l'engueuler, je vais le convoquer dans mon bureau. Ah d'accord! Il peut faire ça du coup. Ici, c'est pas le bon délire du coup? Ah! Alors, le monsieur a chuté. Le monsieur a chuté. Il y a un cadavre en bas de la tour, bah ouais, apparemment il y en a plusieurs même. C'est qui, vous allez couvrir cette zone, 212, vous allez prendre l'autre côté. Ah. Bon bah merci capitaine pour moi. C'est normal qu'il y a un train de chauffeur là. C'est pas totalement normal, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose. Ah. Passer un coup de balai peut-être, capitaine. Bidule, vous allez vous mettre ici. C'est pas moi ça, Bidule, ça c'est le caporal. Moi j'ai pas encore de nom, vous pensez à quel nom le chat? Comment est-ce que je pourrais m'appeler? Sur l'autre RP auquel je joue, je m'appelais Flo. Et comme ça, c'est-à-dire F-L-A-U-O. C'est ça, je crois, ouais. Bon, bah, voilà, quoi. Est-ce que vous avez des idées en fonction de la personnalité de mon personnage? Est-ce que... Je sais pas, parce que c'est des surnoms, beaucoup, hein, dans l'armée des clones, pour ceux qui s'y connaîtraient pas ou quoi, du tout, à Star Wars, machin. C'est beaucoup de surnoms. Tartine, c'est marrant. J'aime bien Tartine. Bon, bah, voilà. Ah. C'est le lieutenant, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est très long, mon lieutenant. Cambre. Ah, vous êtes excellent, mon lieutenant. Merci, c'était... J'adore ce que vous faites. Ils ne reconnaissent pas ma vraie valeur. Oh bah, ils sont aveugles.
on pépond un peu le supérieur au passage. Défi de monter en haut de la tour avec le grappin. Alors si je fais ça clairement, mon grade il est parti, hein, c'est foutu. je viens de passer CT, ça fait chier quoi. C'est bon, quand je serai général et nouveau fondateur du serveur, pas de problème, voilà, y a pas de problème. Ce stade, je ferai ce que je veux, mais là, non, je viens d'être CT, Java, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Pas hyper convaincu. Par contre, Tartine, j'aime bien son nom. Ah, allô ? Tartine, c'est un bon surnom, qu'est-ce que t'en penses ? Java. Java dans le chat. Ouais, Java dit Tartine, c'est devenu comme ça, j'aime bien Tartine. De Tartine, c'est quand même rigolo. C'est le Major qui m'en donnait un ? Alors, c'est quoi l'histoire ? Y'a que moi dans le chat ? Non, pourtant y'a pas que toi, Java, mais les autres doivent être... En fait, si tu veux, j'ai beaucoup de mes viewers qui mettent genre leur stream sur, par exemple dans leur salon, sur une télé ou quoi, et ils se posent dans le canapé et genre, ils ont pas de clavier près d'eux ou quoi, et pff, voilà, donc pas de soucis. Mais là, ouais, là du coup, à parler, y'a que toi pour l'instant, Java. Attends, on va peut-être écouter la discussion tout en surveillant. Ils aiment pas. Qui aime pas qui ? Surveiller ce qui arrive aux alentours. Bien, chef. De zone scale. D'accord, je continue de surveiller, alors il a dit très bien. Très bien. On sait jamais, l'arbre il pourrait bouger. Non, oui, ils ont raison. Ils ont raison en plus de ça, faut vraiment surveiller pour le coup. Mais bon. Putain, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus photogénique à montrer quoi. Ou de plus excitant pour l'instant, on va pas se le cacher. En best-of par contre, ça peut être sympa. Ah non, mais moi ça me dérange pas du tout, mais c'est qu'il y a le live quoi. Oh, moi mec, je peux rester là des heures. Oui, bah oui, ils vont patienter, c'est des gens sympathiques. Moi je les aime bien, y a pas de problème. Ah oui, bah ça arrive, bah du coup on part en talk show le live, alors du coup ça va vous, faites quoi dans la vie ? Moi après je galère trop, où je fais un truc, et je regarde les autres, où je les suis. Attends, j'ai pas tout compris déjà. Moi en RP je galère, ça jusque là tout va bien, je galère trop, ok. Où je fais un truc, et je regarde les autres, où je les suis. Si, où était le... Ouais, ça va, j'ai pas... Attendez, regardez. Bien messieurs, je répète toutes les unités. Ah, barricade. Ah. Sur votre respect, lieutenant, il serait préférable de garder du monde sur toi. On a une non. Vision. Non, mais capitaine, c'est pas nécessaire. Toi, capitaine. Vas-y, c'était descendu avec moi. Ah, merci mon lieutenant. Sur la barricade. La barricade, bien pris. On partira. C'est 10-4, toutes les unités sur des barricades, je vous prie. Ah, notre nourriture arrive, messieurs. Ah, vous voyez, ça sert de pépon un peu les officiers supérieurs. Ah, qu'est-ce que c'est bon, putain. Genre un métier où il y a personne qui nous dit rien. Ah, d'accord, bah, ok. Ça va et toi? Bah ça va, Mako, énorme. Yo, Flolo. Salut, BG. Il était sur le live tout à l'heure dans le chat. Par contre... bon lieutenant, si je te me permette, mon côté gauche est vachement explosé. Oui alors oui. C'est vrai. Major, je vais vous demander d'aller prendre un peu de moi je prends le CTA. Ah bah voilà. Fallait que ça parte en couille. Ça vient se passer, j'y crois mort. Ah attendez. Voilà, malheureux. Alors, ça va peut-être pas si bien se passer que ça. Ah bah si, c'est bon. Est-ce que vous avez besoin de soins une petite picou, ce serait pas de refus. Ah, attendez, ça va se passer. Vous êtes formidable. Je vois pas sur quoi tirer. Est-ce qu'il y aurait des vilains par ici? Ouh, les vilains. Non, y'a personne. Ah ouais non mais moi barricade j'ai quand même fait plus sur 2-3 droïdes quoi. Puis bon j'ai gagné les faveurs du lieutenant donc ça c'est tout bénef quoi. Ça c'est bien joué de ma part quoi. Palais c'est toujours là ou pas? Ah non. Bien messieurs on va se re... À part les 212e tout le monde à l'intérieur du bâtiment va organiser quelque chose. Ah oui mon lieutenant. Bon bah très bien. Positionnez-vous sur les d'accord. Qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer? Je suis excité. C'était... Vous pris de fou. Non, Major, on va vous utiliser un peu. Hein. Non, Major, je vais vous former des groupes de deux en vous faisant compter dedans. Est-il? Est-ce que vous allez dehors? Ah bon, je vais dehors? Ah bah très bien, chef. Bon bah je vais dehors alors. Bon bah apparemment je vais dehors. Voilà, tant pis. Très bien. Bon bah très bien. Ah, c'est un autre CT? C'est qui ça? On se connaît? On se connaît? C'est qui lui? Vous, le CTNA, vous venez avec moi. C'était quoi? Coucou mon poteau, c'était... Ah putain, c'est Arthuse! Alors, c'était quoi? Et, bon, on n'a pas compris qui est quoi. Pour gratter, il faut sucer, je crois. La merde dans les oreilles, vous venez avec moi, les deux, là. Ah, les deux? Ah, très bien, chef, on avait compris que l'un des deux. Vraiment, on a de la merde dans les oreilles. Ah bah, Major, si je te me permette, le capitaine nous donne un contre-ordre depuis tout à l'heure, donc c'est un peu compliqué. Je crois qu'il est capitaine, le 212ème. En fait, je suis plus supérieur que lui, donc si vous avez un contre-ordre, vous prenez celui-là qui est plus haut gardé. Donc 5. D'accord, excusez-nous, je suis une grosse merde. Vous partez ensemble avec un CTN. Hein. Ok. Vous partez avec 14-14. Est-ce que vous avez pu récupérer des munitions? Et où laisse le prof de me servir de compagnon, Major, que je vous ai demandé à mon petit humain? Vous prenez lui là, il est là. Vous prenez le pidule aussi. Affirmatif. Besoin, mon lieutenant. Cloporte. Ah, quand vous dites cloporte, c'est amical. C'est 10-4, t'as dévenu avec moi. Je suis pas votre temps. Bon, bah, il n'a pas mon temps alors. MDR, t'es perdu un petit peu. Il est où le caporal? Le caporal est un peu long, si je peux me permettre. Voilà. Excuse-moi, mais lieutenant, j'ai une mission, je suis sec. Eh bah. On aurait pas une bouteille d'eau? T'es marrant, toi. Il avait dit aussi de prendre un CT. Je suis insupportable. Je suis insupportable. On les laisse partir, ça fera des hachures à canon. On va pas crever. Ça fait plaisir, lieutenant. Vous parlez. Je parle. Tu me parles. Ah, bonjour, capitaine, un second, je vous avais pas remarqué. Ah, apparemment, ça arrive des conflits internes. J'avais un peu mal parlé tout à l'heure, vous m'avez confondu par une autre personne, je pense. Ah. Bon, c'était caporal. On y va. Et je suis à sec, hein, moi, lieutenant. Hein. J'ai plus de munitions. Vous avez des points, bordel. Allez, c'est parti. C'est vrai, arrêtez de vous plaindre, caporal. Non, c'est une blague, c'est une blague. Je vais te donner mon... Je vais te donner... T'as des DC-15A S, je vais t'en donner une à moi, c'est bon. Hein. Oh, la chatte. Ah, okay. Merde. Oh, quelle merde. Ah, c'est super, énorme. Caporal bidule. Merci. Ah, bah, moi aussi, hein. Où vais-je, caporal? C'est chef, bon, lieutenant. On peut y aller. Ah, très bien. J'ai perdu. Dans le lieutenant. Terrible. Ah. Alors, moi, je ne peux voler, hein. Hop. Et voilà. Alors, c'est qui, lieutenant? Bon, ça, je ne dis pas une RP, parce que sinon... Bonjour, la fessée, hein. Ah, c'est chiant. Non mais c'est mérité. C'est mérité franchement, il nous prenait un peu de haut je trouve. Attends mais il est au-dessus. Ah bah t'as un jet trooper donc fonce hein. Ah là voilà. C'est super. Bon bah voilà hein. Ah non. Attendez parce que bon on les entend mais on les voit pas. Ah si. Ok. Nickel! Pas mal! Attention! Avance! Eh, suivez des droïdes, vous criez droïdes le chat, hein! Ça au moins, bah je. Bon bah. Lieutenant, on a besoin de votre talent de médecin en village! Pas médecin! Ah! Bon bah, vous êtes pas médecin du coup! Ah! Nickel! Ah, c'est embêtant, qu'est-ce que c'est facile?
Ah oui, il y a des blessés, oui. Ah, c'est chiant. C'est chiant. Ah, c'est délicat. Bon bah, nous on continue, hein. À vos ordres, mon lieutenant. Bon bah, vas-y, hein, on le suit, hein. Mais les droïdes en face, c'est d'autres joueurs ou des PNJ, je crois pas. Je vais l'enculer. C'est des PNJ. Ah, non, c'est... Ah, le vocabulaire est précis. Oh, on a perdu le caporal. Survivez. Ah, si, il est là, t'inquiète pas. Et moi aussi, je suis toujours là, je t'ai mis à l'abri. Ça va aller, caporal. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, qu'est-ce qui... Tous les hommes. Comment allez-vous, lieutenant? Mec, lui, en tout cas. Avec vos trucs de Jedi, nous, on continue à avancer. Ah, on fait ça? D'accord, on fait ça, alors. Ah, vous faire vos méditations pour lui sauver la vie, je sais pas quoi. Si vous savez pas faire ça, faites-moi un petit bisou magique parce que je dirais pas non là, je... Attends, non, je vais lui faire une... Ah, mais pas ton truc. Excusez-moi, Roxor, je vous répondais dans ma radio, je suis à la base. Excusez-moi, le consentement c'est important, hein. Ah, on se fait tirer dessus, c'est gênant. On vous rejoigne. À l'avant parce que je viens de reprendre. C'est super, j'adore ce que vous faites, lieutenant. Ah oui, excusez-moi, j'étais en chemin quand vous m'avez... Attendez, parce que j'ai le capitaine qui est en train de me briser les oreilles à la radio, là. On a trouvé une sauvage grosse. Oh, le bordel que c'est. Si vous vous dirigez la direction est, on est en train de... Voilà, on va se mettre là, voilà. Parce que comme ça, on n'entendra plus. On va à gauche. Je passe devant, lieutenant. Oui. Ah bon, bah... Je m'attire pas envie pour que tu... Nous allons annuler la route. Je comprends. On va devant. Je sers de chair et canon. Et c'est pas mon matériel médical pour pas avoir... C'est vrai. De moyens de repli. MDR, comme tu l'as porté, bah un peu, ouais. C'est un peu soulevé comme les coupes du monde, le caporal. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va, là? On voit rien avec les feuilles, là, putain. C'est le Vietnam. Oh. Ah, c'est chiant. Bon bah apparemment on investit le bâtiment. Apparemment, ce serait bien de le dire mon lieutenant. Hein? Vas-y, c'était passé devant. Ah, c'est... Vous avez confiance en moi, ça me fait plaisir mon lieutenant. On pourra le aussi passer devant. Oh! Attention! Ok, attends, on va passer sur DC-15S. On avance petit à petit. Feu croisé mon caporal. Je vous reste en vie. Ok. Bon, très bien, bah c'est parti alors. On y va. Bon, il y a virage à gauche, donc voilà, ça sert à rien que je mate à droite. Ah, bien se passer. Votre jetpack, il va avoir du gaz. Ok, ça passe. Ah. Ça passe. Apparemment, j'ai pris un coup, mais pas vraiment. Ah, si, vraiment, si. Le mur est pas complet, on va dire. C'est... Ouais. Caporal, je prends la suite si vous voulez. Oh là là. Je les vois pas, mais ils me tirent dessus. Ouais, de même, c'est gênant. Reculé, ouais, lieutenant, petit bisou magique. Ward de Bacta, ce Strana. Ouais. Et où, c'est à l'épaule? Oui, sûrement. Un peu partout, je dirais même. Hop. Ah, nickel. Je vous remercie. Ça passe? Lieutenant, est-ce que vous me recevez? Je les vois pas, c'est chiant. Oh là là. Attention, capitaine, je suis toujours là pour vous en tant que commandant de la mission. Capitaine. Ils sont insupportables. Bon, je préchote, hein, je vois pas. On va des renforts, ce serait pas de refus. Est-ce qu'on a une grenade sur la scie, il reste une. Négatif, vous prenez pas l'initiative, non. C'est moi qui vous l'ordonne. Allez explorer les grottes. ils sont... Oh, des gamins, ça va être le décès, oui, bah peut-être bien. Lieutenant, j'aurais besoin d'un petit coup là. Je peux le frapper si vous voulez, mon lieutenant. Si, c'est bon. Ça va être du bacta. Ouais, mais moi je veux bien, hein! Ça fait que t'es petit con! Moi je veux bien, hein! Mais désolé!
Et voilà, merci. Ça fait plaisir, hein. Bon, avance. On a une lampe intégrée dans le... Ah ouais. Ah ouais. Sur l'arme et sur le casque. Ah, c'est super. Attention en face. Ok. Ça passe. Avancez. D'accord, on avance alors. Ok, on va passer sur la DC-15A. Hein. Il est mort lui là-bas? Ah, c'est chiant. Il s'est posé la même question que moi, il a tiré sur le caporal. Côté nord. Loin de l'avant-poste. C'est quoi ça? Oh, c'est des alliés ça! Oh, on s'est tiré dessus! Oh ah non, mais ils viennent d'apparaître! Oh, mais c'est un bug, je crois. Non, mais tiens! Je me suis fait one shot! Mais merde! Oh! Oh non, c'est désagréable! Oh! Oh non, hein! Ah bah, le caporal aussi! Non! Il essayait de me sortir de là, le pauvre! Oh, j'ai prédit l'avenir là, non bah en même temps, Java, pardon, mais t'es pas Irma non plus, hein, ça se voyait! Putain! Comment ça, caporal? Ah, notre lieutenant! Encore 300, putain, ouais. Quand je suis full vie, j'en ai 160! Et voilà, surveille ton langage, t'as compte, hein. T'es pas lieutenant, hein. Putain! Oh, c'est douloureux, hein. Bon, du coup, il va venir ou pas? Ah, d'accord. Bon, moi, je l'aime bien. Ah, oh, mais il est rigolo, c'est pas grave. Moi, j'ai un peu pépon, là, ça s'est bien passé. Il m'a fait descendre du toit, j'étais content. Bon, par contre, les enfants... Ah, regardez là-bas, regardez dans le fond le chat, je sais pas si vous voyez. Regardez-le, il est héroïque. Piou, 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 piou. Réparer, il peut casser peut-être. Remarque, il peut les chercher d'abord et ensuite... ouais. La position comme vous êtes mort. C'est vrai. On dirait qu'il me fait un câlin, c'est sympa. Enfin, genre un petit tap-tap sur la tête, quoi. Ouais. Venez tous aux grottes, s'il y a besoin de médecins, bah oui. Oui. Elle va se plaindre, là. Si se plaindre, c'est terrible, hein. C'est Titanic. On va les mettre sur le ventre. On va les mettre sur le ventre. Oh. Hop. Ah. Retournez celui-là. Retournez celui-là. Très bien. Bah écoutez, lieutenant. Hein. Si, il doit l'air de savoir ce qu'il fait. Hein. Pas en vie, celui-là. Il a pas dit... Oui, c'est vrai. Mais il a pas dit que j'étais pas en vie, là. Il a pas dit si je suis décédé. Non mais attends, si je suis décédé, faut que je spawn. Ah, je suis pas décédé, je m'inquiète alors. Ils sont dégagés, y'a personne, aucun droïde, c'est bon. Ah dis donc. Ah mais dis c'est... Toi, t'es dans un mauvais état. Ouais. Ça va lieutenant, la forme? Ah bah plus que vous, est-ce que... Ah ouais, bah c'est pas bien dur de faire plus que moi là. Faut que je joue le mec un peu blessé quand même, parce que bon, ça fait beaucoup, hein. Dites donc, mon lieutenant, c'était les droïdes camouflés, enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient dans le sol, Ils étaient dans l'eau, c'est juste... Ah, les salauds! Ah, dis donc, ils étaient dans l'eau, Plus de stratégie que vous, en tout cas, ce que je vois. Bah, excusez-moi, mais si je te me permets, ce n'est pas mon rôle. Continue, Salaud! C'est son rôle d'établir la stratégie! Foiré, là! Aïe aïe aïe! Allez, vas-y, c'est parti! Continue! Je vais dire devant, devant! On dirait, ouais! Vas-y, lieutenant, on vous croit mort! On croit en vous! Hors de situation, capitaine. Il a perdu son jetpack! Capitaine, rapport de situation, je vous prie. Attendez, on va mettre la radio, on va entendre ce qu'il dit, capitaine Rex. On rentre dans la grotte. Dans la radio escouade. On est en train de progresser, on a rencontré un peu de résistance pour le moment. On s'est fait quoi? Discrète, nous on fait une visite et on topographie le souterrain calme et tranquille. Tout à fait, calme et tranquille, dites-lui bien.
Donc. C'est quoi ça? Retenez. C'est quoi ça par terre? C'est un bout de la map qui est. Une lampe! Pas la ramasser, dommage. Non, tu vas pas t'acharner sur une lampe quand même. Non, non, je vérifiais qu'elle n'était pas piégée, mon lieutenant. C'est pas lui, c'est le caporal, il a tourné autour. Ah, bien pris, lieutenant. Je regardais juste le CT. Hein. C'est vrai que tu es assez c'est charismatique. Le programme. Oh merde. Malatus. Bon, bah voilà, c'est parti. En poste, et lequel? Il est en train de parler à la radio, attends. Écoutez ce qu'il dit. C'est 10-4. Bah nous on va remonter, hein. Capitaine, faites-moi l'honneur de demander au commandement de la base une élate sur... l'avant-poste Myril. Sur 100 la radio? D'accord. Bon. 100 ou 101? Ah! Pendant nous on remonte. Dans l'autre sens, très bien. Bon bah... J'ai pas envie de m'aventurer là-dedans. Hein. Je check l'arrière, alors. Je vais prendre une DC-15A au cas où, parce que si jamais ça nous tombe dessus, à cette distance... Avec vos hommes, nous avons des renforts. Vous avez vu, il a de bons réflexes, contrairement à vous, caporal. une future bonne unité. Je vous remercie, mon lieutenant. Excusez-moi, lieutenant, mais justement, j'allais vous éclaircir l'avant, en fait. Oui, 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 allez m'éclaircir l'avant. allez m'éclaircir l'avant. On va faire comme cet enculé de Fordo dans... Besoin d'une lettre à l'avant-poste. C'était énorme, vous voyez, en chair à pâture. T'es passé où, caporal? Accélérer la cadence, c'était Bien pris, mon lieutenant. Vous baquez toutes les 30 secondes, vous regardez derrière. Ouais, un peu plus régulièrement quand même, mais... Il m'a tellement bien éliminé l'avant qu'il est en train de tomber dans l'eau avec son jetpack, le con. Permission de me moquer du caporal? Pas sûr, hein. Une grosse merde de caporal, vous pouvez vous foutre de sa gueule. Caporal. C'est pas très sympa quand même. Vous étiez pas au courant. Parlez-vous que vous étiez pas au courant. J'ai cru comprendre. Oh l'ambiance, putain. Par contre, je vous dis à personne que j'utilisais les piqûres. Hein. Pourquoi pas, ça, mon lieutenant? C'est vraiment de la proxéine, en fait. Ah, c'est autre chose. Pour ce qui est des effets secondaires, mon lieutenant... Alors, ça vous donne juste la trique du combat, si on peut dire ça comme ça. Ah, d'accord. Ah oui. On a des toilettes dans la base, peut-être, non, pour s'isoler un peu. Non, mais c'est pas pour ça. Vous avez rien compris, la trique. Vos capacités musculaires sont améliorées. On vient de nettoyer l'extérieur de l'avant-poste. Ah oui, non, j'avais compris que mon lieutenant, bien sûr. On a progressé dans les bâtiments. Attention! Oh! Oh! Alors, j'ai trouvé que cet arbre. Pour l'instant, il n'y a rien dans les bâtiments. Ok, bien, bon réflexe! Non, mais dites pas qu'il y en a un qui est mort. Ah, négatif! Négatif. Ah non, parfait. Oh, c'est ça l'avant-poste. Pas avant. La porte extérieure vient d'être ouverte. Ah bon? Oh. Bon, est-ce que de N7 on rentre à l'intérieur? Ok, on est bon. Tout est bon. Caporal. Et le CT qui l'accompagne, ouais, moi aussi je suis content de vous voir. Attendez, lequel? Parce qu'il y a deux caporales là. Vous êtes qui? Alors, bonjour, je suis moi. Caporal. Faudrait expliquer à votre. Ce qui vous sert de frère là. Si un jetpack est trempé dans l'eau, c'est pas très utile. Il abîme le matériel. Bravo, bidule! Occupez-vous de mes deux hommes là, ils ont pris cher. Hein. J'ai fait des bandages de secours, mais allez les amener dans l'infirmerie et occupez-vous-en.
Suivez-moi. C'est bien pris. Bon bah je vais avoir des gros bisous apparemment. Samako, Mako est nul alors j'emprunte le tel de feuilles qui bosse. Pas de sous Samako. Allongez-vous, je vais m'occuper de... Très bien, je vous remercie. Ok, ouais. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous avez été blessé? Alors écoutez, j'en ai pris ta balle dans mon épaule droite. Alors très bien, je vais m'occuper de ça. Vous êtes bien brave. C'est encore vous, Cray. Il est en train de taper son action dans le chat. Quand il est pas de l'armée de blessé. C'est encore moi. C'était... Combien? Non. C'était 13-04, je le savais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, du coup? Injecte de la Bacta, ok. Bon, la Bacta, pour ceux qui connaîtraient pas Star Wars, encore une fois, c'est un peu le remède miracle de tout. C'est quand même pas mal. Pour ceux qui ont vu les films, Luke, dans l'épisode 5, il est posé dans une cuve de Bacta, justement. L'espèce de liquide bleu, bah, c'est de la Bacta. Ou du Bacta. Du ou de la Bacta? Un Bacta? Une Bacta? Ok. Crème et des bandages sur la blessure. Il y a plusieurs mouvements arrivant. Très bien, non, ça devrait être bon. Ça serait pas trop fort, hein. De la Bacta. D'accord, Captain, ça marche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il essaie peut-être un peu. Ah, c'est pour lui, je sais pas ce que c'est. Ah, très bien, c'est pas d'armure. Bon. Est-ce que vous avez encore mal quelque part? Écoutez, je me sens plutôt bien. Attendez, je vais essayer de marcher un petit peu. Ah, ça me paraît pas mal du tout. D'après les informations, on va recevoir une attaque. Il y a une attaque imminente, donc... Oh, je fonce, pas de problème, Gray. Je vous soignerai encore si vous avez besoin. Vous êtes bien brave, Gray. Capitaine. Où dois-je me positionner? L'orteille gauche. Capitaine, où est-ce qu'il y a le capitaine? Où est le capitaine? Capitaine Rex. Où est le capitaine? Capitaine. Où est le capitaine? Ah, c'est caporal ça, attendez. Il y aura le caporal là-haut. Non, pas ça. Grappling hook. Ouais. Hop. Caporal. Ah, il m'entend pas. Caporal. Caporal. Caporal bidule. J'essaie de monter. Comment? Vous auriez pas une astuce, peut-être quelque chose à part de pec? Il a une mission de la plus haute importance. Attendez, c'est gênant. Ah, je vous remercie, attendez, allez-y, ouais, ouais, tirez. Ah, oh, nickel, merci Caporal, vous êtes bien brave. Ah, oh, c'est super. C'est quoi le plan du coup, Caporal? Pourquoi avez-vous besoin du... Je ne vous entends pas du tout. Aérienne, si il peut déterminer du mouvement. Attendez, parce que on entend rien à la radio, là. C'est disquette. Et si vous en avez besoin, lieutenant? Parce qu'il manque des hommes. Mais attendez, mais Caporal m'entend pas. Mais où est-ce Caporal, vous êtes où? Vous êtes là? Vous m'entendez, Caporal? Apparemment, vous êtes un soldat hors norme et un commandant d'élite. Mais Caporal m'entend pas. Il est où le capitaine Rex? Passez-moi les unités de manière. Mirador de gauche, bien pris, Caporal. J'y vais de ce pas. Mirador de gauche. Mirador, c'est une mise à bord. Por favor, je me suis fait mal. Je vais bien. Mirador de gauche. Mirador, c'est une mise à bord. Bidule, avec ton jetpack, tu vas courir. Le chef, je viens t'envoyer par le caporal, il m'a dit Mirador de gauche. Bon, ben montez. Ah ben, je vous remercie. Ici le marine, attention, ils se rapprochent de vous, ils seront là dans 2 minutes. Ah. Ils sont extrêmement nombreux. Ah. J'ai une question, marine. Affirmatif, lieutenant. Pouvez-vous nous envoyer un ATT sur place pour notre IC ou un TX-130 déporté par une ELAT, ouais. Je vous prie. Affirmatif, alors, je vais vous placer avec votre... Oh putain, l'écho. L'écho, les enfants, l'écho que c'est, putain, au secours. Ouais, alors vous préparez. Attendez, c'est le bruit de... Oh, le vaisseau. Oh. Oh. Oh, ça fait plaisir. Oh putain, s'il va y avoir de l'affrontement avec la canonnière, ça va être très cool. J'espère que vous pourrez voir ça. Alors, du coup, il y a des moments un peu moins... Non, mais vous n'aurez pas de TI-130 ni d'ATT...
Ouais. C'est pas possible de ravitailler ça en si peu de temps. Désolé pour vous. D'accord, nickel. En gros, dans la merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, il y a des moments de flottement, c'est normal, hein, c'est du RP. Mais non, je vois un truc qui me plaît. Mais j'espère que la soirée vous plaît, n'empêche. Par contre, vraiment, le son en écho, attendez, on va le baisser quand même parce que. Quand même. Quand même. Bon, il a dit dans 2 minutes ils arrivaient, hein. Donc je sens que ça apparaît vraiment, genre juste là, quoi. Peut-être même ici. Si je le place comme ça, est-ce que je suis exposé? Ouais. Dites voir, on se connaît. Pourquoi j'ai le sentiment que personne m'écoute? Qu'y a-t-il? Excusez-moi, votre micro. Ah bah c'est encore vous, Cré. Votre casque a coupé. Évidemment que c'est pas encore moi. Ah, formidable! Je suis le seul médecin. Je suis le seul médecin présent dans cette mission. Et bah heureusement que vous êtes avec moi, vous êtes en bonne sécurité. Les deux CT, vous allez vous mettre de l'autre côté. Les deux CT, je vais mettre de l'avant. Bah adieu. Eh ben au revoir Cray. Eh ben au plaisir, hein. Bonne vie à vous. Bon bah si jamais il décède, hein. Bon si le médecin meurt, bah c'est pas de notre faute. Ah, après vous. Ah voilà Arthur, c'est parti. Hop, ça monte. Ah c'est chiant. Ah c'est chiant. Ah les escaliers c'est chiant. Ah c'est chiant. Ah ouais. Ah voilà. Pas attention à vous, pas de risque inconsidéré, moi je vais me placer ailleurs. Ah bien pris capitaine. C'est un gros char ça quand même. Ah alors là il s'ouvre hein. Ah oui donc là c'est parti, bon bah. Capitaine. Oh putain. Oh putain, bon bah d'accord, bah c'est parti hein. Attendez mais le son est vraiment trop bas là maintenant. Attendez, je vais allonger et monter le son. Parce que bon là on est plus dedans quand même. Voilà. Oh putain il tire bien. Oh là. Bon ok on va y aller doucement. Droïde par droïde. Oh putain. D'accord, ça vient se passer. Oh là là. Bon bah... Attendez, j'ai une idée. Ah! Attendez. Ok, si je fais comme ça. Bah non. Ah! Oh putain, je vais aller voir le médecin. Ah, je me suis cassé les genoux en plus! Quoi? Je suis mort de quoi? Bah. Oh non, il tire à travers la porte? Ça déconne pas, bah ouais. Oh, le capitaine Rex! Incroyable, quel héroïsme! Oh le son putain. Mais y'a pas d'entre deux, soit c'est pas assez fort, soit c'est trop fort. Je veux mettre ça en bas ou en garde. Je suis là capitaine. Ah bah c'est Cray encore du coup. Ah cette chute est terrible. Je suis déjà capitaine. Bon bah rebonjour Cray. Je me sens bien Cray. Allez, retournez au combat. Alors, ma petite question, capitaine, avant que j'y retourne. Est-ce que par hasard, leur blaster traverserait pas la porte? Ah, je rentre. Très bien, capitaine. J'arrive. Ah! Alors, si je peux me permettre, hein, je crois que leur blaster traverse la porte principale. Ce qui est mal, légèrement, je sais pas, fait tomber au combat. Ah, au pire, on ouvre la porte principale et on s'enferme dans cette salle. Honnêtement. Ça ressemble déjà plus à un plan que ce qu'on m'a dit, hein. Bon bah... Oh putain. Attention Rex, hein, vous décalez pas trop sur la droite. Je vais l'appeler capitaine, on l'appelle Rex. Ah très bien, c'est noté mon capitaine. Vous aviez une réputation on va dire plus sympathique Sur votre gauche, capitaine. Ce soir, je suis sur le mur. D'accord, c'est sur votre gauche, capitaine. Capitaine, je plaisantais pas, bon sang. Bon alors, c'est quoi votre petit nom à vous? Au secours. C'est moi qui dirige maintenant. D'accord, vous êtes qui? D'accord, bah c'est moi qui dirige maintenant. Ok, bon, bah c'est moi qui dirige maintenant.
je me donne l'ordre de survivre. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Oh là, attends, ça fait beaucoup d'infos. Radio, tu me dis 100? 100, pas 100 points, 100? Préparez-vous, la deuxième vague arrive. Ici le CT 1104, j'ai le capitaine et le caporal qui sont tombés à l'intérieur du bâtiment. J'aurais besoin d'un médecin sur ma position. Où la porte? Votre position, votre position. À l'intérieur de l'infirmerie. Non, pas l'infirmerie, négatif, du bâtiment principal. Voilà, mon général. J'ai avec lui. Ah, c'est super. D'accord, bah j'arrive alors. Ça va aller, caporal. Aidez-moi à les transporter à l'infirmerie. C'est bien pris. Vous allez pour les réanimer. Pas de problème, Cré. Ouais, Cré, après avoir. Allez, c'est parti. Attendez, mais faut pas qu'on meure hein, sur le trajet. Soutenir les unités sur la. Sur, en face j'ai rangs, survécu, mon lieutenant. Hop, on pépon un peu au passage. 13-04, tu viens avec moi dès que t'as fini. Alors, tout à fait. Très bien, bah j'y vais alors. Hein. 13-04. Foutez-moi un coup de cœur avant de comprendre tout de suite. Allez, hop. Bon repos, hein, mon caporal. Alors, attends, il a dit que je venais avec lui. Ah, d'ailleurs, excuse-moi, faut que j'aille rejoindre le lieutenant en urgence. Est-ce que je pourrais avoir une petite picouse? Bien sûr, attendez. T'es bien brave, mon chacray. Non, parce que là, sinon, c'est foutu. Merci. Normalement, ça devrait être bon. Ah, et où le lieutenant? Où le lieutenant? Où est le lieutenant? Excusez-moi, je cherche le lieutenant. Vous êtes pas le lieutenant, vous? Normalement, c'est capitaine. Ah. Bon, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il fallait que je le rejoigne. Bon, bah tant pis, hein. Bonne chance à vous, hein. Et bonne vie! Alors, attendez. mon lieutenant? Ah, vous êtes là. Oh! Ah oui! Sur la tour. Tu m'as dit que t'allais mettre une claque dans la tête aussi, hein. C'est gênant. Oh non, nickel. Voilà. Oh. Alors vous voyez, c'est bon. Resté entière, hein. Y a-t-il d'autres blessés? C'est pas dégueu, mon lieutenant, si je te me permets. On dirait que c'est de la complètement débile. C'est de l'armée ennemie. Général, allez, cassez-vous. Pouvoir sur le rempart. Ah. Allez, général, c'est bon. Il a un vieux blaster droïde, effectivement. Ça va le chat, toujours là? Général, rangez-moi ça, bordel de bon sang de bonsoir. Non, j'ai que ça. J'ai que ça. Vous prenez votre sable laser, hein? C'est pas le problème, vous prenez pas des armes ennemies. C'est le règlement, si je te permets. Espèce de petit con, il le dit. Être, faire abstraction des armes à distance, c'est pas ça? Surveiller mes rations de survie, je vous ai dit. Non, je suis pas là, pas de soucis, Java. T'as attaqué par des droïdes tout à l'heure. Ah, ça s'appelle ma faute. Ah, c'est Artus, Artus 100%. Ah, ouais, c'est Artus. Ah, ouais. Coucou live, Artus. Ouais. mon lieutenant, si. Mon lieutenant, c'était pas. Ouais, non. Ouais, non. Alors, c'est pas à nous ça. Ça fait rien vos tirs. Ah, c'est nickel. Bah je continue comme ça alors. Oh en bas, mon lieutenant, en bas, y'a des droïdes. Ah bah t'es occupé vous en. Ah bah je vous le signale quand même. Attendez. Oh. Oh le pilote, ce qu'il vient de faire. Oh par contre ça fait très très peur. Faudrait qu'Artus les abatte, ceux qui sont en dessous de nous. Attendez, pardon mon lieutenant. Oh non. Putain mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable ce qui se passe. Au secours. T'as la roquette qu'il lui a mis dans la gueule là. Qu'il leur a mis là dans le gros de droïde. Pouf. Pouf ce qu'ils ont pris. Bon c'est bon, y'a plus personne. Bon bah je vais aller voir le médecin hein. On va aller voir Cray parce que là là mes 50 HP c'est compliqué hein. Alors ça c'est pas des bruits alliés ça. Ça c'est pas des bruits alliés donc je vais remonter, tant pis hein. Tant pis hein, je fais mon devoir.
Oh non, c'est pas mon devoir. Non, non, bah non. Non, 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 non. Cray, je cherche Cray. Je. Cray, excusez-moi, le médecin. Cray, Cray, mon ami. Venez. Ils sont légèrement nombreux derrière la porte. Et j'aurais besoin d'une petite picouse. Bien sûr, je m'occupe de ça. Merci beaucoup. T'as Cray, c'est mon héros. Allez, hein. C'est parti, merci beaucoup, Cray. Ce sera le titre du live. Cray, le héros. Oh. Elle t'allume, pour information. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai pas compris. Ouais, mais y'a des vautours. Oh là 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 là. T'es mort? Où ça? Voilà. À devant la base. D'accord. Alors du coup je peux pas tirer sur les vaisseaux, c'est ça? C'était une question, Damien, tu peux y répondre. Je peux pas tirer sur les vaisseaux, c'est ça? Je fais que ça, capitaine. D'accord, bon bah. Très bien, c'est noté. Je subis et je ferme ma gueule. Ah putain, mais il y a encore des bruits. Ah, ah, c'est... pourquoi je suis le seul à pas réussir à monter des. Oh ! Ah oui, c'est bondé, oui. Vous auriez pas une grenade, mon capitaine ? Oh, j'en ai une. N'ouvrez surtout pas la porte, tank. En ma terre, putain. Oh, prenez-le là. Oh, Panadus s'est fait tirer dessus au tank et du coup, là, l'explosion elle m'a touché. Oh non! C'est super triste ce qui vient de se passer! Devant le lieutenant en plus que j'essaie de pépon, ça va pas du tout! T'as Crazy! Crazy c'est notre héros, hein, vraiment! Oh merci Cray! Ah ouais, ouais, j'y travaille, j'y travaille! Non mais j'ai pris un coup qui était destiné au Capitaine Rex, c'est quand même pas sympa! Vous lui avez sauvé la vie, c'est bien déjà! On va dire ça comme ça! Ah bah non, 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 j'ai rien sauvé du tout! Il est là le capitaine! Vous allez là, Major, allez-y! Faites attention, Major, vous avez un peu de rouge sur le visage. Vous avez dit quoi? Vous avez un peu de rouge sur le visage, Major, si je te me permette. Oh, c'est oh, tank! Je suis très chaud. Si vous avez besoin d'aide, si vous ça vous va très bien, si je te me permette. Oh là là! Caporal, vous écoute! Qu'est-ce qu'on fait? Le caporal, pour l'instant, là, il essaye de sauver la vie des hommes. Là. D'accord. Bah, non, au revoir, caporal, apparemment. Vous n'y avez pas deux? Non, 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 ça marche pas comme ça, Major. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. C'est pas très éthique, c'est pas très éthique. Ça se fait pas, ça se fait pas, c'est très méchant pour moi, c'est très méchant pour moi. Ça se fait pas, c'est pas possible. Full saut de succès. C'est pas possible. On peut m'appeler sucette. Heureusement que vous étiez là, caporal, vous m'avez sauvé la vie. Pardon, et moi capitaine. Mais y'a pas de problème. Plaisantez capitaine, j'ai pris le coup pour vous. Avec plaisir. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, on va tellement y passer. Mais c'est dead. Mais c'est juste dead en fait. Bah, moi je suis dead en tout cas! Adieu Flo, bah ouais, adieu là! Oh là là, terrible! Ah, Major, vous faites tirer dessus, hein? Ah, bring Rex, d'accord? Bah, Major, on se retrouve. Ah, si, ouais, c'est bien. Alors, Major, vous adorez vous faire retourner, ah. C'est ça? Comme... oh non, mais comment il lui parle? Vous adorez vous faire retourner? La porte est ouverte, hein, Major, je sais pas si vous. Aïe, ah, ça c'est le mur, hein? Mais putain, le Major! Putain, il a été resté pour moi! Oh non, Cray, Cray, meurs pas! Oh, oh là 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 là! Ah, c'est pas Cray? T'en as un autre? Oh, on n'a pas qu'un seul médecin, ok, ça va, vous pouvez crever en fait! J'ai ça juste avant ta mort, non mais de fou! La violence! Ah, je vous remercie! Pas de problème! Oh, Cray, vous êtes incroyable! Ah, c'est super! Ah, ça, c'est un bombardier, bah, c'était un bombardier! Est-ce que ça vous dérangerait de me ramener tous les corps que vous voyez? Ah, pas du tout, pas du tout! Ça m'arrangerait. Je vais faire ça, y'a aucun problème. Ah bah Major, comment on se retrouve alors du coup? Alors est-ce qu'il y a du coup des corps? On va aller faire ça du coup. Ça c'est une bonne mission ça. Est-ce qu'il y a des corps? Pour l'instant il y en a pas. Est-ce qu'il y en a là-bas? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mortier? Ça tire sur quoi là? Oh attends, mais le char il rentre comme ça là? Comme s'il était chez lui?
Ah bon? Ah bon bah... Ah, tu peux, on peut descendre. Ah d'accord, donc on y va au lance-roquettes là. Bon bah... Rentrez. Ouais c'est bien, bah je suis rentré hein. Je suppose que ça veut dire oui. Capitaine, ça m'étonne même plus planqué derrière le mur. Oula! Alors mon capitaine, on a des blessés dans le couloir. Déplacez-moi ça à la pièce juste à droite. Moi, on va passer en heure et demie. Ah, bon bah... Fond, hein. Bon bah on a tiré de chaque côté, ça a dû lui faire un peu mal. Ah c'est chiant, c'est chiant, non c'est chiant, c'est chiant. Je suis en train de m'allonger, c'est chiant. Ok, je touche, c'est bien. Ok. Attendez, je peux... Ouais, voilà. Major, attention, ils arrivent! Major, Major est tombé! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Le Major est tombé! Vite! Penche-toi! Oh là là! Oh là là! Ah non, mais c'est peut-être le caporal en fait! Au secours! Au secours! Ça pète un peu beaucoup quand même, hein! Attends, mais le CT il est héroïque! C'est un lance-flamme? D'accord! Fruit du démon! Ça va bien se passer! Ils arrivent, hein! C'est tendu, hein! Oh là là! Bah, je suis dans la merde, voilà, c'est officiel. Ah! C'est un droïde commando! Ah oh, putain! Le but de votre médecin. Bon! C'est tendu! Putain, mais quel héroïsme de ma part, franchement! Putain, les CT, on est vraiment incroyable! Ah bah là, rip, ouais! Ah, les commandos là, putain, bon, au moins je l'ai battu, c'est déjà ça! Un commando, c'est quand même vénère! Je retiens! Soignez le médecin, je retiens! Et, d'accord, et moi, du coup, je suis dans le couloir, d'accord! Bon bah... M'oubliez pas. SVP, je suis dans la salle d'à côté. Pitié. Pitié. Le major qui fait sa sieste MDR. Puis d'ailleurs, il y a encore des gens en vie, bah apparemment. Pas moi du coup, mais... Vu comment ça tire, oui. Tout le monde est mort. Mais non, je suis pas le dernier de tomber, non, mais ça c'est les blasters du capitaine, ça. Il reste moi. Ouais, ok. Ça va bien se passer, j'y crois à mort, encore et encore. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Vous blessez, Excusez-moi. Je suis sur le sol, là. Ça va le chat? Vous êtes bien, vous? Parce que moi, je douille, là. Au secours. Oh, oh oui. Quel héroïsme. Qu'est-ce qu'il fait là? Et moi du coup Ah oui. C'est qui ça? Vous êtes qui? Vous êtes le major? Non, alors, capitaine Yambix. Non, c'est... C'était moi ou 13-04? Oh non. Non, c'est tragique. Non, les 212. Non, il s'est fait avoir par un commando. J'ai pas le temps pour ces... C'est tragique. Ouvre-moi la porte. Complètement le principal. Je suis dans la salle à côté de l'infirmerie. Tiens, le lieutenant il est passé, ça n'a rien à foutre. Et oh! Et moi? Oh putain, oui, capitaine! Capitaine! Oh, bah, et moi? Le major, mais. Ah, mais merci! Il se tourne de gueule! Oh là, oh là! Oh là, oh là, le drone commando! Espèce de. Oh là, oh là! Oh là! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Il est à moi! Ils m'ont jeté! Ah mais qu'est-ce qui se passe? Mais attends, on est combien? Non mais... Attendez, on est combien de cadavres? 1, 2, 3, 4, 5... Oh là là... Tiens... Oh non, c'est terrible. Bon, pour toi, non mais c'est grave. Mais là, c'est pas des gens que je connais. Oh là là, mais... Quel bâtard. Et derrière avec le ragdoll, comment il balance ses cadavres de fou.
De fou, de fou. On pourrait avoir un bisou magique. SVP. Oh bah on vient depuis le bâtiment principal. Ah moi ça valait compagnie. Ah c'est le caporal. Ah, mais regarde, mais... il rentre en rentrant. On a plus de médecin. Ah, attendez, c'est un peu le bordel. On a plus de médecin, on fait comment? Non ah. Mais le médecin est mort. Oh bordel, André le commandant. Oh là 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 là. Oh putain, oh, c'est... Putain, mais le fusil à pompe sur le Jedi, c'est pas recommandé ça. Oh là là, mais... Oh là là. J'ai pas un pas prêt, fait tirer. Le bordel que c'est. Oh là là. On voit qu'on a plus de médecin. Eh ben... Un bisou magique. Oh bah Jedi. Une brève formation de médecin. Peut pas réanimer. Ah ouais, ah oui, dis donc. Ah oui, oui, c'est bref, effectivement. Demande BX, il a été éliminé. Merci beaucoup, capitaine. Rex, arrête, arrête, arrête. Ben, je suis médecin, capitaine, maintenant. Ah, il y a Major. Nous sommes l'élite. Nous avons protégé. Alors, nous oubliez pas, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, ce serait sympa. Ah putain, mais ils sont pleins maintenant, on est réanimé. Ah, c'est sympa de pas nous avoir oublié. 13-04. Eh, bon boulot, hein, n'empêche. Hein. Major, si vous avez encore un peu de... Oh, dis donc, toi, quel héroïsme. Putain, c'était incroyable. Oui, bien sûr, excusez-moi. Ah, c'était trop bien. Ah, mais nous aussi, t'inquiète pas, le live à vue, c'était incroyable. Que s'est-il passé? Oh, on s'est retrouvé avec la moitié du régiment, mais de décédés dans la même pièce. Mais vraiment, genre, était peut-être 6 cadavres et tout le médecin était mort dedans. Donc personne ne pouvait être animé. Ah là, mon dieu. Attendez. Ah, ça tire, ça tire. Engagez-le. Qu'est-ce qu'ils font, oh, putain? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, non, par contre, faut pas passer devant le lieutenant. Ah! Ah, oui, alors. Ah, oui, alors. Bon. Quand vous dites ce con, vous parlez de druide commando ou du lieutenant? Bah, apparemment, vous étiez les deux, hein. Oh putain, il s'acharne! Aïe 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 aïe. Je vais l'emmener avec Cray. Ça va aller, mon gars, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Là. Là. Voilà, ça va aller. Rien faire dans ma vie. J'en sauve un, il y en a deux qui se. Oui, bah c'est pas facile, mon chef. Bah oui, c'est pas facile ma vie. Hein. La mort non plus, du coup. Ah, c'est chiant, je l'ai. Ah. Fiscal, ça va être difficile. Ah, très bien. Non, mais c'était vraiment bien. C'était incroyable. Un abattoir, mais vraiment, mais c'était un abattoir. Ah, vous voulez un peu d'aide peut-être, Major? Il fait que des rolls où il rate. Mais peut-être un petit peu... Ah. Non, le succès, ça prend du temps. Bien sûr, je comprends. Le BX, allez, et bonsoir. Bonsoir, tu la crow. Bienvenue, tu la crow. Merci, Major. Ça fait plaisir. Et moi, je pue, du coup. Je sais pas comment je fais. Je prends 20 minutes à le réanimer. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit con qui vient... Bon, ah oui, donc on jette les droïdes par-dessus la barrière. C'est noté. Bon, il est où le capitaine? Capitaine Rex, il est où? Il est où? Il est où le capitaine? Non, je sais pas. Bidule, t'es pas important. Voilà. Mais c'est pas lui. Mon lieutenant, ce n'est pas un droïde, hein. C'était pas lui, lieutenant. Ah, c'est gênant. C'est pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Bravo, lieutenant. Il est où? Ah, c'est super. Lieutenant, c'est ça. Qui est-ce que vous cherchez, lieutenant? Ça va. Vous avez pas un petit peu sur... Oh! On nous livre un char, là? Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé! Oh là là! Attendez, moi, je suis subjugué, là. On nous livre un char, là, vraiment? Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Vas-y, pose-le. Ah non, bah non, pas autant poser.
Ah si. Ouah, wow, c'était trop bien. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe encore? J'adore, j'ai une queue de merde, ça coupe chaque 2 minutes, c'est chiant. Ah, je suis désolé. Je suis désolé pour toi. Moi maintenant, c'est très fluide chez moi. Rappelle Bidule, je suis innocent. Alors moi c'est pas Bidule mais Major. Qu'est-ce qui se passe? Major, il est cassé. Ah. Mais général. Si je te me permets, on se fait tirer dessus, hein. Ah oui, bah oui. Ah, oui. Ah, c'est bien pris, mon capitaine. Oh, dis donc, c'est terrible. Putain, c'est une hécatombe. On a le char, du coup, peut-être. Mon capitaine, permission de parler. Est-ce qu'on pourrait pas se servir de la TTE pour avancer et débusquer le sniper? Marine, n'obéissez pas à cet ordre. Bah pour, ce, pour s'en servir comme du couverture pour avancer quoi. Ah bah très bien, bon bah... Pourquoi vous cherchez un médecin caporal? Capitaine, je vous avoue que je me sens pas très bien. C'est compliqué. Je sais, le problème c'est que le stream a mis 80p full quoi. Et Mako est pas fort pour ça. Alors attends, est-ce que tu peux régler actuellement sur mon live la qualité? Je vais te dire ça. Ah non, merde. Ah, désolé. C'est pour le coup, j'y peux rien. C'est Twitch qui décide de le mettre ou de pas le mettre. Deux petites secondes. Ah bah merci beaucoup pour le follow du lagro. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Pour t'expliquer, je sais pas si t'es au courant, mais en gros Twitch donne un peu de manière arbitraire et en fonction de la bande passante qu'il a, la permet de régler la qualité ou pas. La permission, j'ai dit la permission, j'ai vraiment dit ça, la permission. Et ce soir je l'ai pas, et c'est aléatoire un peu. Captup, merci pour le follow, bienvenue, ça fait plaisir. Mais du coup voilà, ce soir c'est pas possible, je suis navré. Mais j'espère que bon, t'arrives quand même un petit peu à voir. Et puis sinon, bah j'ai envie de rejoindre le serveur. Je suis pas payé pour faire de la pub ou quoi que ce soit d'ailleurs, au passage. Mais c'est vrai que moi je l'amuse bien, donc voilà, le lien de... Enfin le lien, le nom du serveur est dans le titre. Je le mettrai aussi dans la description de la rediffusion sur YouTube, y'a pas de problème. Du coup, ah mais ça tire sur quoi là? Qu'est-ce qu'ils font? Il est abattu, qu'est-ce que tu fais? Y'a plus d'ennemis, capitaine Langon. Pas touché, oh. La ferme. Non mais. Ah c'est EP. Tu viens de tirer sur le capitaine dans mon véhicule. Ah c'est gênant. Descendez. S'il vous plaît. C'est qui, attends, alors, attends. Capitaine Langon, ce véhicule est... Mais qu'est-ce qu'ils font? Ok, alors je pense que quelqu'un n'a pas du tout compris le but de la spécialisation d'ingénieur de combat. C'est quelqu'un qui fait de l'ingénierie au combat? Ah non, alors... Alors, pour le Discord, le lien est juste en dessous du live. J'ai pas de bot sur mon chat, c'est un choix personnel. Mais tu as le lien juste en dessous. Voilà, si jamais tu le cherches, tu la crois, y'a pas de problème. Spécialisé là-dedans? Problème. Affirmatif, capitaine Ansegon. Parce que j'ai pas du tout la spécialisation, peut-être. Vous êtes médecin? Je suis ingénieur de combat, donc pilote de véhicule terrestre. Il a des rêves, caporal. Qui fait la maintenance et qui les pilote. Réfléchissez la prochaine fois avant de parler. Tais-toi et monte dans ton putain de char. Non, vous réfléchissez. Attends, je vous passe la salle, s'il vous plaît. Vas-y, il faut que tu montes dans le char. Hors du major. Ah. Ah, heureusement qu'il y a quelqu'un. Major, à ce coup. Putain, ça s'engueule. Moi, j'ai écouté les conversations. C'est la seule, monsieur, c'est la seule. Ah, pardon! Excusez, pardon, toutes mes confuses. Bon, bah... Genre, j'ai pas fait exprès, tu sais. Alors, attends, on va faire ça, au cas où. Au cas où, tout de même, hein, parce que. Alors, c'est pas ce qui peut se passer. Ah, la porte se ferme, c'est gênant. Alors, faut pas se mettre au milieu, hein. Faudrait pas rester au milieu. Alors, ce serait vous, je mettrais. Mais ce qui vient de se passer, ce qui vient de se passer! Mais pourquoi vous faites ça? Mais enfin, mais faites semblant d'être intelligent, je sais pas. Allez, c'était. Oh, allez, mais c'était, allez. Mais allez, ils sont Robert, mais lâchez, c'est quand même. Lâchez ça. Ah pardon, excusez-moi mon chef capitaine, pardon. Allez, non mais vous allez. Putain, mais ils sont restés à plein de la porte. Ils se sont fait aplatir, mais c'est grave. Oh là là, le streamer qui nous gueule dessus. Non mais les gars, quand même. Quand même un effort. Oh là là, bon. Ça bah c'est quoi les bails, pour l'instant pas grand chose. Ah bonsoir Cray, bienvenue. Pas de problème, bienvenue Cray. Bienvenue. Tu m'as sauvé le cul mais toute la soirée Cray, hein.
Mais d'ailleurs, t'as continué de faire ça avec tout le monde, hein. T'es encore sur le serveur ? Cray, est-ce qu'il est là, Cray ? Cray. Oui, t'es encore là, super ! Là, vraiment, l'héroïsme d'un homme, hein. Vraiment, toute la section reposait sur ce médecin, hein. Comment ça va ? Oui, je suis là. Ok. Bah écoute, ça va nickel ! Franchement, moi, je découvre le serveur ce soir et c'est grave sympa. Recule. Oui, alors, cette fois, les gars, effectivement, vous rapprochez pas trop, quoi. Oh, un vaisseau ? Une latte ? Oh, mais on l'entend, on la voit pas. J'aime bien les vaisseaux. Les vaisseaux. Il y a au bout d'un moment, il va falloir envoyer un pilote. Envoyer un pilote, capitaine ? Faut le récupérer. On va pas rester ici sur cette tour. Si je vous lance assez fort, peut-être qu'on peut s'envoler. Aucun pilote n'a été envoyé pour le moment. Ah, c'est gênant. C'est pas normal. C'est pas normal. Rejoins la 212, c'est la best. Bah, c'est-à-dire que j'ai des potes dans la 501, donc j'hésite, tu vois. Quoi qu'il en soit, je vous envoie un pilote pour vous extraire de la base. Terminé. Impératif, faudrait y penser un jour. Faites pareil, montrez. Capitaine, surveillez votre langage. Enfin, votre ton plutôt. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, excusez-moi ? Major, pub, vite. Major. La pub, affirmatif. Je vous entends. La pub ? Vous entendez ? Pub. Pub ? C'est la pub pour recruter dans le. Je vais faire. Dans la 501, je suppose. Allez, la 501 recrute, messieurs. Si ah, voilà. La 501, c'est ici. Négatif. Allez. Non. C'est-à-dire que ça consiste en quoi, Major ? Capitaine, en second, action. Piou, piou. Moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'était la 501ème légion d'attaque, légion de première ligne, régiment de première ligne. Nous, on n'est jamais cachés derrière, nous on a toujours de l'action, nous. Excepté il y a 35 minutes, capitaine. Nous, on est l'élite de l'élite. La crème de la crème. Non, c'est oui. La crème de la crème, c'était la 501ème recrute. Oui. C'est maintenant. Capitaine, j'ai une question. Capitaine, j'ai une question. Capitaine, j'ai une question. J'aurais la permission de vous appeler Rex sans que vous m'insultiez la prochaine fois ou pas ? Je ne veux pas être dans votre régiment. C'est pas très sympa ça. Non mais capitaine, moi j'ai pas dit non hein. Non mais capitaine, j'ai pas dit non. Tout le monde dans la latte, allez, on se bouge 1-2-1-2. Ah, on se bouge 1-2-1-2. Ah, très bien. Bon, on se bouge 1-2-1-2 alors. Ah, c'est chiant. Ah, petit tour de vaisseau, ça fait plaisir. 13-04, sinon vous pouvez rejoindre la 212ème, c'est la meilleure. C'est-à-dire que si tout le monde me dit la même chose. Là, si on recrute pas, je. La 101ème, on est bleu. On est bleu. La 101ème, on est bleu. Je suis au courant, les enfants, quand même. Quoi ? Putain, la 101ème, il y a Bidule. Et moi ? Et vous êtes qui, vous ? Tout le monde est là, on y va, nous sommes. Bidule, certes, c'est un abruti, mais. Viens avec moi, tu seras mon blessé prioritaire. Suis, ouais, c'est ah, c'est Tonton Clay. Franchement. Oh. C'est à moi le commandant. Attendez. Ah non, on voit pas, dommage. Okay. Ah, de quoi parlez-vous, mon capitaine ? Mon casque a des poils, je n'entends rien. Ils sont cons. J'ai entendu le retour de ma voix, aïe. Oh, t'inquiète, Clay. T'inquiète. On grandit tous un jour, y'a pas de soucis. T'inquiète pas. Je suis passé par là moi aussi. 13-04, tu me fais mourir de rire. Bah t'as qu'à follow. C'est CTRL pour la troisième personne en véhicule, non. Ah putain, excellent. Ah bah voilà, merci. Merci Cray, bienvenue pour le follow, merci beaucoup. Et donc du coup voilà, c'est le changement de la map des serveurs. On va retourner sur la base. Ah dommage. Ça va les enfants ? Ah oui, j'ai un premier degré là ? Ah d'accord, ok. Bah franchement c'était cool, moi qui découvre le serveur, franchement l'event était sympa. Franchement, bon, c'était, ouais voilà, c'est sans prise de tête, c'était parfois un peu frustrant d'avoir des droïdes qui popaient un peu n'importe où, mais en soi, c'était grave sympa, franchement, j'ai bien kiffé. Bon c'est pas encore fini, il y a le debrief et tout je suppose, c'est ça ? Ok. Bah on va voir. Ça vous dirait que je sois dans la 501, les gars ? Ah, très bien. C'est noté. Ça va bien, et toi, comment tu te sens après tous ces décès ? Eh bien, écoutez, étrangement bien. Cray a fait du thé mon boulot, franchement. Quel homme. Donc non, c'est cool. Franchement, ce qui est bien, c'est que je voulais pas un serveur RP où j'aurais besoin d'être actif comme sur d'autres, où je devrais être là, genre, tous les jours, toutes les heures pour régler 15 trucs.
Et là, c'est sans prise de tête, donc ça m'arrange pas mal. Parce que je suis un gros joueur d'RP à la base, pour mes viewers. Et je joue du RP en général à des postes haut gradés. Et donc j'ai toujours 15 000 trucs à gérer. Et notamment parce que je fais du RP militaire, entre autres. Et du coup, bah voilà, je voulais un truc un peu plus détente, un peu plus voilà, à la cool, où on peut juste rire un peu en une soirée ou deux, et voilà, y aller de temps en temps. Et je pense que le serveur est bien pour ça. On les entend pas? On les entend pas sur Discord? Attendez, mais si, vous les entendez sur Discord? Parlez les enfants? Pas du c'est... On vous entend pas? Attendez, mais on vous entend pas depuis le début? Non mais attendez, c'est grave. Bah j'en sais rien. Allez-y, parlez. On n'entend pas moi le magnifique? Ah bah là, on vous entend. Pas du se parle? Oui. Putain, c'est dingue, depuis le début on les entend pas. C'est quand même triste. C'est quand même triste, c'est quand même très triste. Rejoins la 212, ouais, je suppose que c'est ça. Best médecin, Evie, rejoins la 66. Non mais les gars, inventez pas des régiments qui existent pas. La 501, la 212e, non, non, ah oui. C'est bien, mon chat est devenu une espèce de chat des propagandes, où chacun essaie de vendre son... Bah, son groupe, quoi. En vrai de vrai, est-ce que actuellement, avec le RP du serveur, ça a vraiment un impact? Le choix du régiment. Pas tant que ça. Bah à part les personnes que tu côtoies et la montée en grade et s'ils acceptent ou pas que tu deviennes arc à l'avenir ou pas. D'accord. Ok. Mais en soi, en vrai, je te dis clairement, la 501 c'est le régiment le plus actif. Hein. C'est 104 en seconde, 212 en troisième. D'accord. Ok. Et après, bah le reste, bon, c'est le reste. Hein. Non, à part pour le choc où tu gardes des portes. Ah. C'est top, tu me dis ça. Plus de choses, s'il vous plaît. Ah, apparemment. Je sais que la choc c'est de la merde, mais bon, respectez-la un petit peu. En plus, ils sont des maîtres massifs. Tu peux avoir. Ça, c'est stylé. T'es un maître chien. T'es un maître chien. Ça, c'est stylé, ouais, c'est des maîtres chiens pour le chat, vous rigolez pas. Maître chien, le chien. Il y a un peu de même chien à savoir pour que quelqu'un veuille jouer chien. Ouais, ça peut être marrant, en vrai. Ça peut être marrant. Tu peux faire choc en vrai, c'est... t'as moyen de te taper des barres, mais tu seras détesté par le serveur entier, c'est tout. Ah, c'est cool. Bah non, ça ira, c'est gentil. C'est sympa, mais ça ira. Je prends mon job, nickel. Je prends mon job à aller de coke un café. D'ailleurs, pas du, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté du Renault. Effectivement. Le gaz, gaz. T'es au courant que Twitching nous a fermé au fait? Non. Et bah, Twitching nous a fermé. Et vendredi, je suis en live dessus du coup. Et voilà. Si tu veux chanter du Renault vendredi, je suis chaud. Je croyais que ça avait fermé. Qu'est-ce qu'il y a, Palus? Je croyais que ça avait fermé. Non, ça ferme le 1er janvier 2021, si je dis pas de bêtises. Ça, ça va fermer. Paladus sera ton clébard? Ah, apparemment, Keptop me dit que tu seras mon clébard. Non, ah. C'était. Je vous demande pardon? Ça n'arrivera jamais. Hein. Ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Par contre, je me suis tapé des bonnes attends, grosses barres. Paladus, attends, parce qu'on parle. Capitaine, y a-t-il un débrief de la mission? Suivez-moi, c'était. Ah, très bien, je vous suis, pas de problème, capitaine. Bon bah, faut le suivre apparemment, c'est parti. Vous manquez d'adrénaline, sautez dans la bataille avec le 12e bataillon d'attaque qui rejoignait ses rangs. J'aurais peut-être dû record cet event, c'était en... Bah, c'était en écoute, Paladus, j'ai tout record moi du coup, hein, puisqu'il y aura la rediff sur ma chaîne YouTube, donc voilà. D'ailleurs, Paladus, en début de live, j'ai vendu ton contenu, hein, donc voilà. Hein. Ouais. Pour ceux qui connaîtraient pas Paladus, hein, vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est très cool. T'es plus sur YouTube que sur Twitch, toi, non? Oui, parce que ma cause, ça pue la merde. Ouais, voilà. Moi, c'est l'inverse. Je suis beaucoup plus sur Twitch que sur... T'as loupé un moment très marrant. Qu'est-ce qu'il y a? T'as loupé un moment très marrant, à un moment. Ah bah oui, mais bon, en même temps, je te peux être partout, hein. T'as vu ma dernière vidéo? Oui. T'as vu sur quoi a fini? Oui. Et bah, y a une histoire qui a suivi avec ça... Le lieutenant qui cassait les couilles pour savoir pourquoi j'avais dit que le major aimait bien se faire retourner. Et il y a un moment là où moi et le lieutenant Arc on tombe à terre et il était vraiment heureux de le dire. Bon, t'as entendu un « Oh, vous êtes fait retourner tous les deux !» Parce qu'on est tombé à terre en simultané, bon, et j'étais pas bien. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? C'est réunion? Apparemment c'est réunion. C'est qu'on se la pète en montrant nos belles armures. C'est vraiment 501, mais bon, la 212 aime bien nous coller au cul. Oh là, c'est pas très sympa. Y'a pas toujours un débrief sur YouTube? Ok. Ouais, c'est sur YouTube, ouais. J'ai la chaîne juste en dessous si jamais ça t'intéresse d'avoir la rediff.
Voilà, c'est, ça sert vraiment de chaîne de rediff pour le coup. Même si là je travaille sur voilà, un petit truc. Pardonnez-moi, mais c'est bien. Le briefing a sonné, je vous prie de vous rendre dans la salle. Et bah c'est parti. Ce n'est pas trop vous demander, bien sûr. Il se l'air un peu. Tu peux faire choc, mais tu seras laissé. Tu viens Ah d'accord, ok. Et moi je te teste pas encore parce que je suis pas au courant que voilà, d'accord, ok. Ah. Et donc vous allez pas le suivre parce qu'il est choc. Ah si si, bien sûr que si, mais c'est juste que là j'attends mon match, c'est tout. Ah. Ah d'accord. Mais c'est quelqu'un de détestable. Ah très bien. Moi je ne fais jamais le capitaine. C'est genre dans la vraie vie, tu vois, pendant les rassemblements. Oh, je sais pas ce que je te mets, mais. Des coups de matraque. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est sympa. C'est la Gestapo. C'est la Gestapo, la choc. C'est la Gestapo la plupart du temps. Hein. Surtout les serveurs où tu vas, gros, même le plus RP du monde, gros. Ouais. Choc, c'est surtout de l'abus de pouvoir. Hein. Ok, c'est cool. Non. Moi, je vais ficher avec mon capitaine. La fameuse surprise, ouais, la fameuse surprise, etc. Exactement, pardon, sur laquelle j'arrive pas tout à fait. J'ai failli me prendre une cour martiale sur notre serveur un jour. Ah parce ouais que le mec m'aimait pas, il était choc trooper. Attendez, juste question, on peut pas enlever nos casques pour le briefing? Un truc comme ça? Si tu peux. Comment on fait? Tu restes appuyé sur C, body group. Body group. Ah oui, exact. Ok, et donc je peux faire. Vous, écarte et casque. On y va. Pardon, vous voulez que je garde le casque? Vous gardez le casque, je vous demande juste votre puce. Il me demande juste ma puce, d'accord, alors ma puce, je garde mon casque. Alors je suis CT 1304. Je vous demande votre carte. Ma carte, bien sûr, ma carte tout de suite. Non, ma carte, oui. Lui tend sa carte. Voilà. Je garde, c'est valide, merci. Ah, je vous en prie. 212, caporal infirmier, je crois. Énorme. Viens à côté de moi, tu peux normalement. Ah ouais? Attendez, parce qu'il est là le choc trooper, je changerai après. T'inquiète pas, Cré. Oh là, j'arrive à la fin, MDR. C'est maintenant que t'arrives, toi, Cyanure. Maintenant que t'arrives. Non, alors toi, mais vraiment, c'est à toute fin, ça va être le débrief. Retire pas ton casque, tu vas te faire tuer. Ah bon? Putain, mais monsieur le caporal Bidule m'avait dit qu'il fallait l'enlever. Si vous êtes un clone. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais ils se font détester vraiment à ce point? Ah d'ailleurs, le chat, pour ceux qui sont sur le serveur, etc. C'est quoi la commande pour pouvoir se pencher sur la gauche, sur la droite? Oui, je jouais avec un poteau, désolé, il me faisait découvrir Apex. Eh bah dis donc, Cyanure. T'as choisi Apex plutôt que mon live, bah dis donc, quel choix délicat. Bon écoute, personne n'est parfait, Cyanure, hein, c'est pas grave, mais bon, voilà. Est-ce possible de faire la formation vite, ou alors ça prend du temps, et on se cale à rendez-vous? Moi c'est bon, j'ai été formé. On m'a accepté en tant que CD, putain, ça c'est bon. Ça c'est beau. Par contre c'est beau, mais vous n'êtes pas au briefing du coup Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, ils sont là-bas. Regardez-les. Allez, je vais aller à côté de Cré. Cré. Psst, Cré. Je me mets à côté de toi. Allez, merci. Ça pas la pub ou non? Ah, moi je suis pas là dans le groupe, hein. Je sais pas si c'est à moi que tu parles. Si si, bah regarde le chat. le chat? Bah oui, j'ai fait une longue pub de trop messages. Avec moi, tu voulais, c'était. Ah, tu veux créer? Ah non, c'est pas moi qui parlais. Ah, mais c'est pas un CT ça, si? Attendez, mais faut se décaler. Nickel. C'est pas... Attends, mais elle est où ta pub là? Je la vois pas du tout, hein. Ah, c'est là. Ah, trop... Ouais, d'accord, j'ai pas du tout fait gaffe. Ok. Ouais, bah, bon. Non, parce que là, Seigneur, pour le coup, il va vraiment juste se passer le débrief de ce qui s'est passé. Et c'est tout, quoi. C'est la fin du live, quoi. C'est 91, pas un CT. Non, ouais, voilà, mais c'est ça. 91, c'est la reconnaissance, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Oh, la 500, elle est là-bas. Je me suis fait embrigader par la 212, là, ça y est. Oui, c'est ça. Ok! Comme quoi, je m'y connais un peu dans mon lore Star Wars. D'ailleurs, c'est Clone Wars, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, les enfants. Allez la mater, mais dépêchez-vous, quoi. Et sur Disney Plus en plus. Et vraiment, quelle série incroyable. Est-ce que je peux cross-arm? Non? C'est pas possible? Alors, j'arrive à saluer.
Ah voilà, grosse arme, ok. Ça fonctionne. Oui, c'est bien, mais mieux vaut venir à la fin que pas du tout. Écoute, oui, certes, sûrement. Pas de sous. Pas de sous, pas de sous. Ah, ça c'est le chef, ça, c'est pas de bêtises, c'est un officier, ça. Ah oh, oui, bah c'est sûr, 100%. On écoute. Mes respects, clone, on va commencer ce briefing. Oh! Oh putain, faut saluer! Oh, c'est. Ah ouais! Ah, c'est tout! D'accord, très bien! Monsieur, vous êtes allé sur une planète pour réduire l'invasion séparatiste au silence, ce que vous vraiment réussi. Mmh. Bon, vous avez pris sur zone pour prendre possession d'un avant-poste, puis d'un deuxième, et pour ça, je vous en félicite. La mission était réussie avec brio. Néanmoins, sur le dernier avant-poste, vous êtes fait un peu dépasser par le nombre de droïdes. Un petit peu exagéré, si je puis dire. C'était pas de votre faute. Ah bah oui, un petit peu exagéré. Oui. Très bien, sinon la mission a été un franc succès. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Quelqu'un a-t-il des questions ou des remarques? Je fais bref, mais le temps... Affirmatif, capitaine en second 442. Padabam, pam, pam. Du coup, j'ai raté quoi partout? Bah littéralement tout. On a pris deux bases avec avant-poste. C'était très cool. C'était vraiment avec plein d'actions. Il y a un moment où on s'est tous retrouvés dans un couloir à genre 5 morts faciles. C'était incroyable, toutes les morts de flow, mais c'était incroyable. En plus, je suis pas dans ceux qui sont plus morts, mais bon. Normalement, j'ai pas de sergent. Nice. Oui, cette mission fut un franc succès. Mm-hmm. Mis à part des événements qui ne devraient pas avoir lieu sur le comportement des caporaux 501e, permet des remarques déplacées vis-à-vis à des supérieurs, tels que j'ai eu d'autres supérieurs. Je trouve que... T'inquiète, Seigneur. La taille, c'est des réflexions dans leur tête et pas... Voilà, la rediff, t'inquiète pas. Et au vu de tout... Nul, ça sent nul. C'est tout. Je prends compte de ces remarques. Ouais. Pour moi, il pue le seum, le monsieur à droite en vert, là. Il pue le seum parce qu'un caporal lui a fait une remarque. Je dois vous informer que suite à la mission précédente, le lieutenant BOS a été extrait pour tentative d'homicide envers sa personne. Il sera donc envoyé sur une autre mission pendant une durée indéterminée. Pour l'instant, une enquête sera menée. D'accord. Pour quelqu'un est en danger, du coup, il est mis à l'écart. Pour sa propre sécurité. Également à féliciter tout particulièrement les nouvelles recrues qui ont su faire brave, enfin qui ont su faire beaucoup de bravoure et de courage, ouais. Particulièrement réussi également leur mission. Ouais, c'est vrai. Profitez le moment où si c'est terminé, avez-vous d'autres remarques ou des promotions à faire? Ah, mis à part que je suis le meilleur. Non, c'est vous. C'était bien. On sera dans les temps en plus, c'est parfait. Le micro. Ça marche. Le major, on dirait qu'il est sous coke, ça me fume. Allez, major. D'accord. Je vais prendre ça pour un oui. Donc, est-ce que j'ai compris de un de mes hommes, le petit Sink? Oui, le petit Sink. Le capitaine second a pris la TTE à la place de l'ingénieur de combat. Mais il est vraiment sous coke. Je rappelle que la consommation de drogue n'est pas autorisée, hein. Ce n'est pas légal en France. Voilà. Ça se débat, mais actuellement, c'est pas légal. Je le rappelle, hein. J'en prendrai compte également. Formidable. Ah, Anakin, Monsieur Skywalker. Oui, je tenais aussi à féliciter la 442 pour ses tirs d'amortis très bien réussis. Ce que j'ai oublié de faire, la 212 également. Ah bon? Ça, tout le monde a été brio. Bien sûr, ce, s'il n'y a plus personne de promotion ou de remarques à faire. Oh non! Oh! Ah, oh, garde à vous! Vite! Ta-ta-ta-ta-ta! Je vais me faire copyright juste pour ces passages de musique. Repos, je déclare ce briefing terminé. Eh ben allez! Oh, dis donc, c'était bien! Oh!
Ce sera une face gauche, allez hop hop hop. Allez hop hop hop. Hop hop hop. Oui, je connais pas ma gauche et la droite, taisez-vous. Ah. Celui qui bute, la marine gagne un VIP à vie. Pitié là. Affirmatif. Moi je m'incruste. Hein. Je devrais pas être là. Hein. Malheur 55, quoi, ça va être la fin du live. Est-ce qu'ils vont faire un truc rigolo? On verra bien. Affirmatif, Major. 30 secondes, j'ai une mission à accomplir. Ne prenez pas mal, Caporal, c'est quelqu'un de très, très occupé. Commandant, j'attends de vous parler vite fait. Bon bah c'était bien. Caporal, si je peux me permettre, on m'avait assigné auprès de vous, le général, au début de la soirée. Qu'est-ce que vous estimez qu'a été mon rôle Enfin, ça s'est passé comment, selon vous? Inutile. Mon avis, moi je peux vous donner aussi un avis. Je vous écoute, mon capitaine. Capitaine, quand même, s'il vous plaît, c'était il a parlé à moi avant. Catastrophique. Bah, plus sérieusement, écoute-moi bien. Le harcèlement. Tu blagues, mon capitaine. T'aurais pas dû parler. Vous avez été très bon, c'était adapté. Essayez juste de vous. La seule remarque que j'ai à faire, c'est. Oui. Vous avez été très bon, mais essayez juste de vous adapter à la cadence à laquelle on a. Bien pris, mon capitaine, pas Sink. De problème. Alors, Bidule, vous je vous remercie. Oui, j'arrive. Oui, caporal. Affirmatif. Du coup. Ouais, nul, ouais, c'est nul, ouais. Seigneur, t'es pas là, je peux pas juger. Nul, ouais. Faut quelqu'un. Je me dépêche. Allez-y, caporal, je suis tout oui. Je suis tout oui. Bonsoir, Star Élu, t'arrives sur la fin. C'était 13h04. Tout à fait, c'est moi-même. Dans la globalité, vous avez fait du très bon travail. Ah. Le seul souci, comme l'a dit le capitaine, vous vous peinez à suivre la cadence. Je veux dire, je vous dis de vous arrêter. Bien joué, Cray, pour la promotion. Arrêter, mais seulement pour deux secondes, et après, il faudra partir directement. Mais ça, faut suivre la cadence, ça, vous y habituez. Quoi. Vous en faites pas, vous êtes CT, vous y habituez avec le temps. Sinon, plus au front. Plus au front, c'est-à-dire, caporal. Ah, partez. Partez, plus hors de ma vue, petit éclaireur. Qu'est-ce qu'il faut? Merci, caporal. Ça fait plaisir. 22h57. Sergent Cray, je suis trop content. Bien joué, Cray. Bon, bah, au plaisir de vous revoir. Hein. Vous voulez rejoindre la 501, 1304? Eh bah, écoutez, je me tâte. Écoutez, Major, si vous avez un avis positif. Est-ce que vous avez une opinion positive sur moi, Major? Carré serré, messieurs, allez, on se bouge. Un carré. Très bien. Ah, je me fais bully là. Ah. Vous voulez rejoindre la 501. Hein. Alors, vu sous cet angle, je. Alors, éventuellement. Par pas, ça réélu. Très bien. Par pas, ça se termine, mais oui. Donc, voulez-vous faire cette formation maintenant ou un autre jour? Alors, maintenant, ça va pas être possible, Major, mais éventuellement, dans l'éventualité prochaine, tout à fait. Dans l'éventualité possible, oui, bien sûr, Rex, gardez ses points pour après. Le victime. Celui-là qui veut aller faire du recrutement là, pas du recrutement, de la reconnaissance derrière le poteau, il y a le lieutenant derrière vous, Frost, il y a ce guignol là-bas qui va rejoindre votre régiment, allez voir. Aïe aïe aïe, il ne se passe rien, mais calmez-vous, c'est arrivé. C'est ces affaires de reconnaissance. T'as raté toute l'émission. Là c'est un buisson, c'est un vrai buisson. Invisible. Faudrait peindre le poteau en blanc, ouais, si je te me permets, Major. Je pense aussi que vous êtes très près du régiment, vu la vitesse avec laquelle vous avez disparu juste avant. Fermez là, Rex, je parle. Bon, j'aimerais finir mon live, les enfants. 13h04, vous allez peindre le poteau en blanc.
Ah. Ça sera la première étape. C'est noté. Où est-ce que je trouve le pot de peinture, Major? Ah. Je vous présente l'entrepôt 104. Allez faire un tour dedans. Ne volez pas leur drogue, leur suspense. Oui. Ne volez rien. Ne volez rien, c'est noté. Ah. C'est-à-dire que vous êtes un peu épais sans vouloir. Enfin voilà, capitaine, le prenez pas mal. Alors, on va trouver un pot de peinture. Ah, vous êtes bien brave. Ah, là vous êtes, oui, bien brave. Ah bon, j'ai peint un pâteau en blanc. Ah, c'est pas là. C'est pas là, d'accord. On a un local à pot de peinture, Major ? C'est là, il y a un 104. Allô, allô ? Bon, il y en a pas. D'accord. Non, mais ici, vous pourrez tout ouvrir, tout... Ah, c'est super, je vous remercie, Major. Je m'y mets tout de suite ou... Une fois que je viens, je veux que le soit plein en blanc. Bah, je vous remercie, Major. Hein. Donc, bonne chance à vous. Ah, c'est super, merci beaucoup. Général, me laissez pas. Oh merde. Bon, je peux même pas le déplacer parce que je suis pas admin, hein. Mais attends, fais une narration, je crois que c'est attends, c'est quoi la commande de narration, les enfants? Martine peint le poteau. Allez, ah, moi j'ai un live à finir. C'est comment la narration? Ah, merci. Ok. Slash narration. Avec deux R peut-être. Non, narration. Le CT1304 prend le pot de peinture blanche. Ah, avec deux R, il a dit. On va tester? Oui, voilà, c'est ça. Avec deux R. Paf! Oh, dis donc, c'est super! Alors là, on va amener le pot de peinture, on va aller faire de la peinture, les enfants! On va aller faire de la peinture! Faut la victime! Non, mais c'est terrible, non, je suis triste, hein, je suis navré! Ah, je suis navré, Cray, je suis navré! Bonjour, bien, bonjour, ça va? Voilà! Alors, on va poser le pot de peinture! Slash narration! Pose le pot de peinture blanche! Le CT 1304 pose le pot de peinture blanche et commence le travail qu'il finira à sa prochaine venue. Nickel. Eh ben nickel. Bonne chance, CT. Je vous remercie, mon général. Ah, c'était cool. C'était très cool. Franchement, c'était très très cool. C'était très 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 cool. J'ai bien kiffé. Bon, les enfants, deux trois petits mots avant de partir quand même. Je vais pas vous lâcher là-dessus. Déjà, merci au serveur et l'organisation au niveau du staff parce que vous avez été adorables. Franchement, c'était très cool. Je vous ai prévenu un peu au dernier moment parce que bah, je suis un cloporte. Mais ça s'est très bien passé. J'espère que vous êtes relativement contents du live que j'ai fait. Que pour les viewers, ça a plu. Que d'autres ont un peu découvert ce qui s'y passait ou ce qui était du RP Clone Wars ou quoi. J'insiste sincèrement pour ceux qui n'auraient pas vu la série de Clone Wars, allez la voir. Et en ce moment sur Disney+, c'est vraiment très 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 bien. J'ai adoré, bah Seigneur est arrivé à la fin, mais oui. Spoiler, à la fin il meurt. Prends le VIP, rejoins la 112ème. Calmez-vous, Cray. C'est vraiment le gars qui t'appelle au téléphone pour vendre, je sais pas moi, des tapis, aucune idée, je ne sais pas. En vous remerciant, prenez soin de vous les enfants, je pense que je reviendrai... Tu me payes Disney+? Non, Seigneur. Je pense que je reviendrai sur le serveur, peut-être pas lundi prochain, je sais pas, mais peut-être le lundi d'après, ou je sais pas, mais je pense que honnêtement, de temps en temps, comme ça, en live, ça peut être très cool, voir un peu comment le serveur évolue, puisqu'apparemment, quelqu'un m'a dit qu'il était en bêta, donc voilà. Mais franchement, très sympa, très cool, ça, c'est bien détente, et vous avez été, n'empêche, quand même vachement nombreux, vous êtes encore 13, 12, 11, on sait pas trop, Twitch, c'est un peu bugué. Voilà, donc en vous remerciant, pour ceux qui seraient intéressés pour le contenu qu'il y a quand c'est du RP, Clone Wars ou quoi, je vous invite à follow. Pour ceux qui seraient intéressés pour la personne que je suis, ma personnalité ou quoi que ce soit, sachez que je fais pas que ça. Mercredi, par exemple, je vais reprendre ma série qui s'appelle Dessinons des Pomécones, où on réalise avec les viewers, via des sondages, etc., et le chat, des parodies de Pokémon. On en fait tout un Pokédex, donc un Pomédex, du coup. C'est très rigolo, franchement, c'est très sympa. Et mon cerveau malade combiné à celui des vôtres,
ça donne des trucs très cool. Si vous voulez les voir d'ailleurs ou voir mes infos sur moi, vous avez le lien du Discord juste en dessous. La rediff de ce live va être disponible sur ma chaîne YouTube dès demain 17h15, qui me sert vraiment de chaîne de rediff. Et puis voilà, vendredi c'est du karaoké, tout chings. Et puis bah voilà, la semaine d'après, peut-être on verra lundi prochain ce qu'on fait. Bonne fin de soirée ici à Mako, bonne soirée de la part de Feuille aussi. Les super viewers, venez nombreux, on se moque de Flo aussi. Ouais, non mais oui, effectivement. Les enfants, merci à tous, bonne soirée, prenez soin de vous, au revoir.